explorer de nouvelles possibilités, découvrir de nouveaux horizons, aller à la conquête de nouvelles villes, de nouveaux pays et continents. Optez pour Travel Advantage. Accédez à des milliers de destinations différentes et offrez-vous des séjours de rêve en adhérant à Travel Advantage. Profitez dès à présent de tous nos tarifs préférentiels via le QR code ci-dessus. Travel Advantage, la solution voyage. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Aimez-vous sans modération. Soyez élégante, soyez radieuse, soyez vous, soyez Blomana. Vous souhaitez donner de la visibilité à votre business? Vous souhaitez augmenter votre clientèle? Étendre l'influence de votre marque est votre premier défi? Avec son lancement sur les box, Evangile TV vous offre un partenariat exceptionnel en diffusant votre spot publicitaire dans tous ses canaux de diffusion. Touchez des millions de personnes dans le monde francophone et augmentez votre image de marque grâce à Evangile TV. Nous vous accompagnons de la conception à la réalisation de votre spot. Que vous veniez de commencer votre activité ou que vous ayez déjà du succès, saisissez la grâce et accélérez en cette année 2023. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact au 06 52 58 83 60. Thank you.
et dis-lui, je sais que tu règnes. Dis-lui, je sais que tu règnes. Peu importe ce que je vis, je sais que tu existes et que tu règnes dans ma vie. Tu ne pourras pas m'abandonner. Tu ne me laisseras pas tomber. Que je vis, tu m'as toujours protégé. Tu m'as toujours protégé. Tu m'as toujours aimé. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mais tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arini, j'ai 19 ans et j'aimerais vous témoigner de ce livre « Comment entendre la voix de Dieu » du révérend Alain Patrick Tsengue et comment est-ce qu'il a bouleversé ma vie chrétienne. Alors avant de commencer et d'entrer dans le cœur de mon témoignage, j'aimerais vous faire part d'une chose, c'est que avant d'être chrétienne, j'étais dans l'hindouisme et j'étais consacrée. J'avais déjà reçu via des rêves, des visites de mauvais esprits et quelques mois avant que je donne ma vie à Christ, j'ai fait un rêve où je me trouvais dans une église. Et c'est après, quelques mois après, que j'ai donné ma vie à Christ. Lorsque j'ai intégré l'église ACER Paris, j'ai eu connaissance de ce livre « Comment entendre la voix de Dieu ». Et j'ai réalisé à travers ce livre que j'étais une personne spirite. En effet, le révérend Alain Patrick Tsengue parle de deux types de personnes, l'homme spirituel et l'homme spirite. Et ce livre m'a particulièrement bénie car il m'a permis d'avoir un discernement suffisant afin de discerner quelles expériences viennent de Dieu et quelles expériences viennent du diable. Et j'ai également été très rassurée sur un point, c'est que toutes les pensées que j'ai ne viennent pas forcément de moi-même, de mon âme, mais parfois elles peuvent venir de mauvais esprits ou parfois même les anges ou le Seigneur peut m'inspirer des pensées. J'aimerais dire à la personne qui me regarde, à vous qui me regardez, que l'écoute de la voix de Dieu, c'est possible. Au début de ma vie chrétienne, j'étais vulnérable à des esprits de confusion et de séduction. Et je pense que nous avons tous eu des difficultés à entendre la voix de Dieu, mais je peux
et j'aimerais vous dire que c'est possible d'entendre distinctement la voix de Dieu, de comprendre comment Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et avec un enseignement adéquat, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Et ce livre, Comment entendre la voix de Dieu, du révérend Alain Patrick Tsengue, est très simple à lire, à comprendre, et technique et précis. Tout simplement pour vous faire comprendre que l'écoute de la voix de Dieu est une école et que vous pouvez véritablement entendre la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Comment entendre la voix de Dieu ? Disponible en version Kindle et papier sur Amazon. Hey guys, bienvenue, welcome sur Fresh. Les gars, nous sommes là pour une toute nouvelle émission. C'est vrai que je dis les gars, mais il y a des filles également qui nous regardent. Donc, les gars et les filles, nous sommes là pour une nouvelle émission aujourd'hui. Mm-hmm. Le titre de cette émission, c'est « Aïe, ça fait mal de renoncer à soi ». Et sans plus tarder, j'aimerais juste commencer cette émission avec nos chroniqueuses. Parce qu'il n'y a que des chroniqueuses aujourd'hui. C'est vrai que moi, très souvent, je ne sais pas pourquoi, quand je fais l'émission, il n'y a pas de gars en fait. Je suis toujours le seul gars sur le plateau, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. Et donc tout simplement, on a des merveilleuses chroniqueuses aujourd'hui, et on va commencer par. D'habitude, je commence toujours à droite, mais cette fois-ci, on va aller à gauche, par les couleurs. Voilà, parce que quelqu'un a décidé d'être coloré aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aimerais introduire la chroniqueuse Mona. Sous vos acclamations, Mona. Comment est-ce que ça va, Mona? Ça va très bien, ça va très bien. Vous, ça va? Génial. Ok, aujourd'hui, est-ce que tu es prête pour cette émission? Totalement prête. En plus, ça fait longtemps que j'étais pas sur ce canapé là, donc je suis prête à libérer la parole. Ok, amen. Gloire à Dieu. Et à côté de toi, on a alors la chroniqueuse et l'animatrice également, Naomi. Naomi Kanza. Oui, c'est ça. Kanza. C'est pas Kanza. C'est pas Kanza. C'est Kanza. Kanza. Voilà, et moi je l'appelle toujours Kenzen. Ouais. Wow. Je sais pas pourquoi. Le style. Le style, ok. Voilà. T'es prête? Ah, je suis plus que prête. Je suis vraiment impatiente de parler de ça parce que c'est un thème qu'on aime beaucoup. C'est vrai. Mais c'est un thème que, en fait, on nous a prêché, on nous a enseigné, on nous a exhorté, on nous a parlé en tout cas de ça. Mmh. Et ça a créé un désir en nous de renoncer à nous. Et j'espère qu'on va pouvoir faire ça aussi aujourd'hui. Amen. Mmh. Wow, c'est vrai, c'est vraiment un thème sous-côté, hein, comme tu as dit. Ouais. Pour moi, c'est un thème sous-côté. Ouais. Le renoncement à soi chez les chrétiens est très sous-côté. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Mmh. Et il y a beaucoup de personnes qui tout simplement se plaignent. Également, il y a beaucoup de conflits et tout. Je pense des fois, c'est un très grand manque de renoncement à soi. Donc, si c'est un thème sous-côté, aujourd'hui, on va le remettre au goût du jour. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester bien connecté dans cette émission. Et je passe alors à nos deux autres chroniqueuses. Et je vais commencer par celle qui est habillée en militaire. Militaire. Donc, c'est quoi là? C'est armée de l'air, de la terre Voilà, tout à fait. Bah écoute, je vais bien. Ok. Et toi-même? Oh, moi, ça va super, merci de me poser la question. Je sais que vous allez bien déjà. Oui, vous êtes prête à libérer, c'est pour des gars. Écoute, ça va, je suis prête à avancer. Ok, voilà, Lydia, le thème, ça te dit quoi un peu le thème? Bah en fait, c'est comme Naomi le disait, c'est un thème vraiment super important et dont on ne parle pas assez parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le renoncement à soi. C'est vrai. Et vraiment, aujourd'hui, on va leur dire ce que c'est. On va leur dire pourquoi il faut renoncer à soi. Et voilà quoi. Amen. Voilà, et juste à côté de toi, alors, on a Stéphanie. Comment est-ce que ça va, Stéphanie? Ça va super. Bon, voilà, on sait déjà, vous allez bien. Ouais. Moi, je vais super bien et vraiment, moi, ce thème, en fait, c'est un thème déjà très important, comme on l'a dit. Mm. Mais je trouve que, peut-être que
on a déjà entendu parler du renoncement à soi, mais je trouve que, bah, en fait, quand on demande à quelqu'un c'est quoi, les personnes ne savent pas vraiment trop, en fait. C'est vrai. Donc, en fait, aujourd'hui, on est là vraiment pour éclairer les personnes, amen, éclairer les gens. Et voilà, donc rester tout simplement jusqu'à la fin. Amen. Yes. Yes, par la même occasion, j'aimerais juste demander à tous ceux qui nous regardent actuellement de partager l'émission. Je le fais une fois, c'est au début de l'émission. Et j'aimerais juste vous demander de partager, de publier, de partager sur les réseaux sociaux, partager tout simplement à votre entourage, partager en masse, en masse, en masse, en masse, que ce soit dans vos groupes, partout, partager cette émission parce que quelqu'un doit entendre cette émission et tout simplement tout ce que les chroniqueurs ont à vous dire, mmh, sur le thème du renoncement à soi. Ok, mmh. Donc, c'est maintenant, partage. Yes. Voilà. Ok, donc sans plus tarder, on va alors maintenant parler du renoncement à soi. La mm-hmm. première chose que j'aimerais vous dire avec cette petite fiche de fraîche. Yeah. Hey, on yes ressort les fiches. Yeah. Yeah. Un calor de Brésil. C'est ça. Donc oui, donc la première chose qu'on va voir dans cette émission, c'est qu'est-ce que le renoncement mm-hmm. à soi. Ce que j'aime bien, Stéphanie, c'est que tu as parlé du fait que des fois, les gens ne savent pas exactement ce que c'est le renoncement à soi. Et c'est vrai que quand on parle de renoncer à soi, des fois, on était dans le monde. Ouais. On n'était pas forcément chrétien. Ouais. Et en fait, là, maintenant, on arrive en Christ. Et tu apprends que tu dois renoncer à toi. Mm-hmm. Et tu comprends pas ce que ça veut dire. Tu dis, mais ça veut dire quoi renoncer à moi? Ouais. C'est quoi même moi? Ouais. Si je renonce à moi, je vis plus. Donc, comment est-ce que je fais ouais. pour avancer dans la vie? Tu te poses plein de questions, en fait. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on va un peu éclaircir ça. Et je vais vous laisser la parole pour poser cette première question. C'est quoi le renoncement à soi? Mm-hmm. Okay. Okay, comment Moi, je parle beaucoup de base. Okay. Elle veut laisser l'altruisme. Oui, c'est ça, okay. Oui, parce que bah, okay, c'est bah, moi, personnellement, c'est vrai qu'on pourra donner beaucoup de définitions. Je pense que ça va être assez différent. Yes. Mais moi, en fait, même quand j'y pensais hier, moi, personnellement, le renoncement à soi, ça me fait penser en fait, au fait de faire un choix. Genre, une décision à prendre, tout simplement. Okay. Ça veut dire, je sais pas, par exemple, on a deux choses qu'on nous expose. Mmh. Et on doit faire un choix, tout simplement. Mmh. Donc moi, quand je parle du renoncement à soi, le fait de renoncer, c'est de prendre un choix, tout simplement. Mmh. Décider d'abandonner quelque chose, d'accord. Tout simplement pour choisir une autre chose. Okay. Ok, c'est vrai que, comme tu le dis, renoncer, en vrai, au final, c'est choisir. Voilà. Parce que choisir, c'est renoncer. Ouais. Et en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que par exemple, imaginons, je sais pas, je choisis d'être sur ce canapé, je renonce d'être sur l'autre. Voilà, parce que je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Et de la même manière, Dieu, en allant véritablement commencer à marcher avec lui, il va nous demander de choisir de marcher avec lui, mais donc de renoncer à quelque chose. C'est ça. Oui, c'est de renoncer à notre manière de vivre à nous. Oui, exactement. Et en fait, le renoncement à soi, je verrais plus comme en fait, bah, décider en fait d'être en Christ, quoi, de vivre la vie chrétienne. Ouais. Des fois, bah, on connaît pas ce domaine-là du renoncement à soi. Et si vous connaissez pas, gloire à Dieu parce que vous êtes dans la bonne émission, parce qu'on va vraiment prendre un temps pour expliquer ça. Et en fait, vraiment renoncer à soi, je verrais plus comme en fait prendre la mission que Dieu nous a donnée. Souvent dans l'émission Fraîche, dans les autres émissions, etc., on parle du fait d'être des ambassadeurs, de représenter en fait le royaume. Et le renoncement à soi, c'est comme le billet par lequel tu peux présenter en fait le royaume de Dieu. Parce que la parole dit, l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. C'est-à-dire que lui-même avait une valeur à laisser sa vie de côté pour prendre celle de Christ. Wow. Et pourquoi il le faisait? Pour en fait être l'ambassadeur du royaume sur cette terre. Wow. C'est très fort. Même pour rajouter un petit peu sur tout le monde, le renoncement à soi, bah, comme vous l'avez dit, en fait, c'est laisser quelque chose. Et c'est en fait laisser derrière nous les choses en fait, qui nous empêcheraient de nous rapprocher de Dieu. Okay. Parce qu'il faut savoir que quand on donne notre vie à Christ, la Bible va dire que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Yes. C'est-à-dire en fait, qu'il y a un ancien nous. Et c'est justement ce ancien nous en fait, qu'on doit laisser derrière nous. Parce que cet ancien nous, lui, il a connu que le monde. Mm-hmm. Il a connu que le monde, la méchanceté, tout ça, en fait, le système du monde. Donc en fait, il faut que tout ça en fait, soit renouvelé pour tout simplement en fait, se fier et se rentrer en fait, dans le cadre pour tout simplement plaire à Dieu tout simplement, et accomplir même la destinée qu'il nous appelle à faire. Quoi. Amen. Et si on ne renonce pas à notre ancien nous, ce qui est ancien, ça va nous stopper sur... Ça va bloquer. Et pour continuer sur tout ce que vous dites, c'est hyper bénissant d'ailleurs. Et pour moi, en fait, tout simplement, le renoncement à soi, c'est aussi renoncer en fait
à notre volonté passée, mm-hmm. à nos désirs en fait personnels, mm-hmm. en tout cas pour épouser en fait les projets, les plans de Dieu pour notre vie. Quoi. Ouais. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le prix à payer de la vie chrétienne. Mm-hmm. Parce que c'est pas juste chrétien, c'est pas juste un titre, mm-hmm. c'est pas juste voilà, wow, je suis chrétien et c'est fini. Non, c'est vraiment en fait au début de ta vie chrétienne, mm-hmm. Dieu va te demander de laisser des choses derrière toi. Et au fur et à mesure même de cette vie-là, en fait, je pense que Dieu va te demander encore davantage, tu vois. Ouais. Yes. C'est pas que en fait le renoncement à soi, c'est pas juste je suis arrivée dans la vie chrétienne, c'est fini, j'ai renoncé pour de bon. Et c'est fini, ouais. C'est vraiment genre continuel, c'est ouais. perpétuel, c'est tout le temps en fait. Waouh, voilà. Et bah, par rapport à ça, moi j'aimerais continuer en donnant un verset, la Bible dans Luc 14, verset 26, mm-hmm. dans la version IMP, donc amplifié. Mm-hmm. Il dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, dans le sens d'une indifférence ou d'un mépris relatif à leur égard par rapport à son attitude envers Dieu, il ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire en gros ? En gros, il est en train de dire que lorsque le Seigneur demande de haïr père, mère, frère, et il dit même sa propre vie, donc là on parle de sa propre vie, c'est-à-dire sa manière de vivre qu'il voulait lui en fait. Il dit en gros, si quelqu'un ne fait pas ça, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que pour suivre la discipline de Christ, il faut renoncer à soi. En fait, choisir d'être disciple de Jésus, c'est choisir de quitter la discipline, de vivre notre propre vie. Ouais. Tu sais, même le verset que tu viens de citer dans la version The Passion Translation, il va dire, quand tu me suivras comme disciple, tu devras mettre de côté ton père, ta mère, ta femme, tes sœurs, tes frères. Ouais. Il te semblera même que tu détestes ta propre vie. Et il va même dire, c'est le prix que tu devras payer pour être considéré comme l'un de mes disciples. Wow. Donc là, on parle même de prix à payer. Ouais. C'est le prix. C'est le coût. Ouais, c'est-à-dire le renoncement à soi. Regardez, avec le renoncement à soi, on achète le fait d'être disciple. Ça veut dire que lorsque je paye le prix de renoncer à ma vie, j'achète le fait d'être disciple et d'être considéré comme un disciple de Jésus. Si je ne renonce pas à moi, je ne peux pas être considéré comme disciple. C'est-à-dire que c'est impossible. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui qu'elles sont disciples de Jésus, alors qu'en vérité, lorsqu'on regarde bien, ces personnes ne renoncent pas à leur vie, donc elles ne peuvent pas véritablement être considérées comme des disciples. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est, on parle de l'éternel des armées. Ouais. On parle que Dieu est ma bannière. Mais si Dieu est ta bannière, c'est que tu dois être sous cette bannière-là et ne plus avoir ta propre identité. Aucun soldat ne se bat pour lui ou avec ses envies, etc. À partir du moment où tu te bats pour la France, tu prends les valeurs de la France, tu mets de côté tes envies, tu mets de côté tes objectifs et tu te bats selon la bannière qui est au-dessus de toi. Donc si à partir du moment Dieu est ma bannière, Dieu est l'éternel des armées, je me mets en tant que soldat, je mets ma vie de côté et le prix à payer, c'est me battre jusqu'au bout, c'est véritablement renoncer à moi pour gagner cette guerre. Parce que c'est impossible de gagner une guerre si on n'est pas totalement impliqué, s'il n'y a plus de... Il y a trop de nous. Aucun soldat ne peut gagner une guerre s'il y a trop de lui. Voilà, et tu sais, j'aime bien le fait que tu parles de guerre, en fait. Parce que, en fait, quelle est la discipline de Jésus, en vrai de vrai, c'est d'être un soldat. Et même, j'irais même plus loin d'être un général. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que Jésus n'est pas venu comme un pacifiste. Des fois, les gens pensent que Jésus est venu comme un pacifiste. Non, la Bible dit que dans Actes 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien à tous ceux qu'il rencontrait et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire, en gros, quelque chose. Ça veut dire qu'en gros, il y avait des gens, ils étaient sous l'empire du diable. L'empire, c'est comme un royaume. L'empire, c'est comme, par exemple, un truc où il y a la domination ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, ça veut dire que Jésus allait de lieu en lieu pour faire la guerre à ce royaume-là. Donc, Jésus, c'était quelqu'un qui était discipliné pour faire la guerre. Et donc, si je ne renonce pas à ma vie, jamais je ne suivrai cette race. C'est impossible. Mais même par rapport à l'exemple que tu prends, on voit même que quand les soldats, par exemple, vont à l'armée, peut-être qu'ils ont une certaine manière de penser, mais quand ils vont là-bas, on leur dit qu'il faut penser comme ça, comme ça. En fait, ils le font automatiquement. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel j'ai médité il y a quelques semaines, le renoncement à soi. En vrai, pour nuancer, on dit renoncement à soi, mais en vrai, c'est juste adopter la même mentalité que Dieu. Parce qu'en fait, quand on parle de renoncement, c'est juste en fait notre chair en fait qui aura mal parce qu'en fait tu vas du côté de Dieu alors que la chair en fait elle aimerait que tu restes dans le monde. C'est ça. Parce que par exemple quand on dit que avoir un mauvais caractère c'est un manque de renoncement à soi, en vrai c'est juste ne pas adopter en fait le caractère de Christ. En fait on parle de renoncement parce que on doit laisser notre manière de penser, notre manière de faire, alors que en vrai de vrai c'est juste adopter celle de Dieu en fait. Même que en fait c'est trop grave ce que tu viens de dire parce qu'en fait justement adopter en fait la façon de penser de Dieu c'est aussi en fait aimer Dieu plus que nous-mêmes en fait notre propre personne tu vois. Et la Bible va dire que le premier commandement c'est quoi, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc ça veut dire qu'en fait toutes tes pensées, tout ton cœur et même toute ta force en fait doit être dédiée en fait à accomplir
accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Ouais. Donc tu peux plus en fait rester en fait comme tu étais avant, adopter une façon de penser qui était on va dire celle du monde, même celle que tu avais auparavant, tu vois. Ouais. Ça c'est impossible en fait. On peut pas faire comme tu disais, on peut être à deux endroits en même temps. Mm. À partir du moment où on devient citoyen du royaume de Dieu, en fait, on n'est plus en fait on va dire, j'allais dire congolais ou je sais pas quoi, peu importe l'origine. En tout cas, en fait, à la base, en fait, la première chose que l'on fait lorsqu'on devient citoyen du royaume, c'est en fait on est enfant de Dieu. On est né de Dieu, on n'est plus né seulement de la chair. Ouais. Et du coup, ça fait que tout simplement Dieu devient notre priorité, quoi. Amen. Dieu devient Amen. Notre priorité. Et j'aime bien le fait que tu finisses sur le fait de dire qu'on n'est pas né que de la chair, mais qu'on est né maintenant de Dieu. Yes. Voilà pourquoi Dieu te dit maintenant c'est possible que tu renonces à toi. Amen. Parce que on va dire quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas renoncer à lui. C'est parce que s'il renonce à lui, il n'y a plus de manière. Il peut plus vivre. Ouais. Parce qu'il n'y a que lui, en fait. Il n'y a que la chair. Il n'y a que le monde, en fait. Ouais. Mais Dieu nous donne la capacité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de renoncer à nos vies parce qu'il nous a donné une autre vie. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous demande de renoncer à celle-là. Parce que si tu ne renonces pas à la première, tu ne pourras jamais vivre la deuxième, en fait. C'est ça. Tu vois, il y a une vie qu'on avait dans le monde, il y a une vie qu'on avait auparavant. Et si on ne renonce pas à cette vie-là, jamais tu peux vivre la nouvelle. Ouais. C'est impossible. J'aime bien ce que tu dis parce que, en fait, tu donnes la possibilité aux gens, en fait, de croire que c'est possible de renoncer à soi. Parce qu'il y a des personnes, en entendant ça, ils se disent, mais non, mais c'est parce que... C'est abusé. Non, mais c'est biblique. Si Dieu nous conduit à cela, c'est qu'il nous a donné aussi les forces pour arriver exactement. À renoncer à soi. Et surtout que... j'ai oublié. Sur ce que t'as dit. Oh non. Ça va aller. Tu vas rebondir. Sur ce que t'as dit. En fait, les gens, en fait, des fois, ne croient pas qu'ils peuvent renoncer à eux parce qu'en fait, pour eux, ça va être une très grande souffrance. Ouais. Par exemple, ils voient par exemple, des gens en face qui ont renoncé à leur vie. Ils voient en fait ce à quoi les gens ont renoncé. Ouais. Et ils se disent, est-ce que vraiment je serais capable de renoncer à ça moi aussi? Parce qu'en fait, ils sont, je vais dire, on est tellement attachés à nos vies qu'on n'arrive pas à voir au-delà en fait de ce que nous on vit pour voir en fait ce que Dieu a pris pour nous. Et Mona, tu sais, je vais même appuyer sur ce que tu dis, il voit trop la souffrance et ça va faire mal. Mais Dieu m'en était moi, tu vas avoir mal. Non mais il faut leur dire. Et même moi, j'ai eu mal et on continue d'avoir mal. Mais c'est bon. La Bible dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Mais on va voir ça quand même à la fin de l'émission. Parce que l'émission, c'est quand même... Aïe, ça fait mal de renoncer à soi. Mais bien sûr que ça fait mal. Mais regarde quelque chose. Regarde, il y a tout qui fait mal en vrai de vrai. Quand tu regardes vraiment dans la vie, il y a même y a une expression qui dit il faut se faire mal pour être belle ou un truc comme ça. Il faut être belle. Voilà, il y a des choses qui font mal. Vous voyez, donc c'est pas forcément parce que ça fait mal que c'est mauvais. Comme l'exemple du sport, par exemple. Mais tu vas à la salle et tout, tes muscles, ça déchire musculaire. Mais au final, c'est comme ça que tu perds. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas que ça nous fait pas du mal à nous, ça fait du mal à notre chair. C'est la chair qui a mal. La chair, en fait, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé. Donc tout ce qui est encore un rapport avec le monde, tout ça. C'est à la chair que ça fait mal. Alors qu'en vrai, à nous, nous qui sommes des esprits qui avons une âme et qui vivons dans un corps, le renoncement à ça, ça fait du bien à notre esprit, à notre esprit et à notre âme. Mais tu sais pourquoi aussi le truc, c'est qu'on a été habitué à aller à l'hôpital et prendre des anesthésiants lorsqu'on nous fait des opérations. Parce que les gens ont besoin d'être guéris. Donc on vient te faire une opération chirurgicale. Le truc, c'est qu'à l'hôpital, il y a l'anesthésie. Nous, en fait, on souffre pas, tu vois. Mais en Christ, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'anesthésie. En vérité, il y a une anesthésie. Même lorsque tu renonces à toi, la Bible dit même lorsque tu traverseras le feu ne te consumera pas. Même lorsque tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi dans l'eau. Pourquoi? Parce que je suis avec toi dans le feu. Amen. Donc ça veut dire en gros que même si on renonce à nos vies, Dieu est avec nous pendant qu'on le vit. Amen. Parce qu'en fait, on renonce à quelque chose, mais il nous donne quelque chose en retour. T'as tout compris. En fait, certes, on renonce par exemple à notre vie, je ne sais pas, c'est par exemple tu avais un travail auquel tu as dû renoncer parce que ça te prenait trop de temps par rapport à ta vie d'église. T'inquiète pas que le travail que Dieu va te donner après, il sera beaucoup mieux, tu auras plus d'opportunités, ce sera vraiment au-dessus en fait, parce que la Bible dit que Dieu en fait nous donne au-delà de ce qu'on peut penser ou espérer. C'est-à-dire en fait que les choses auxquelles on renonce, nous-mêmes en fait dans notre tête, on se dit j'aurai jamais plus. Mais en fait, Dieu te dit, pense pas à ça maintenant. Laisse-moi gérer. J'aime bien l'image de la déchirure musculaire. On a parlé de ça, on est passé un peu rapidement, mais c'est l'exemple typique en fait du renoncement à soi. Tout le monde sait que lorsque tu veux du résultat dans ta routine musculaire, etc., tu vas devoir faire tellement d'efforts que ça va devoir faire mal. Exactement. Et c'est seulement là que le muscle va se déchirer. Et quand il va se reconstruire, il va gonfler, il va être vu. Et de la même manière, c'est seulement quand ça fait mal, quand tu renonces véritablement, qu'il y a la gloire qui peut arriver. Yes. C'est parce qu'en fait,
on exerce en fait un, comme un exercice sur notre chair, sur notre âme. Ouais. Et si on ne le fait pas, il ne peut pas en fait monter. Et une des choses que je voulais dire, et j'avais oublié, c'est que tout simplement, une des choses que j'aime bien avec le renoncement à soi, c'est qu'on dit le renoncement à soi et pas tu renonceras seulement à toi. C'est-à-dire qu'il y a la part de responsabilité dans le renoncement à soi, où c'est toi-même qui dois faire l'exercice. Oui, quand tu es à la salle de sport, quelqu'un peut t'aider à faire l'exercice, mais c'est toi qui dois le faire. Exactement. C'est toi qui dois avoir mal et c'est toi qui dois continuer. Exactement. Et de la même manière, le renoncement à soi, c'est un exercice personnel que tu dois faire, que tu dois exercer. Et des fois, ça va faire mal, mais c'est ça le but. Mais oui. Amen. Pour revenir sur l'exemple du sport, l'une des caractéristiques qui nous montrent qu'on a fait une bonne séance et que notre séance a servi à quelque chose, c'est les courbatures. Quand tu as des courbatures, t'as mal, ça veut dire en fait tu sais que vraiment tu as bien travaillé. Et c'est comme en fait quand on renonce à nous-mêmes, certes on a mal juste après, mais justement c'est une bonne chose. Oui, peut-être que après avoir fait du sport, tu auras des courbatures, mais tu sais que ton muscle il va grossir, il va gonfler. Et tout comme nous, quand on renonce à nos vies, on sait que ça fait mal, mais au final, on sait qu'on va évoluer. C'est ça. Et j'ai même envie de dire, j'ai même envie de dire que en fait, le renoncement à soi, c'est pas Jésus qui l'a inventé en soi, c'est vraiment en fait dans tous les domaines. Par exemple, on parle du sport depuis tout à l'heure, les athlètes, en fait, ils ont une routine, ils ont une discipline particulière. Je sais pas, par exemple, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, la personne va te dire, oh tel, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas comment tu t'habilles, j'aime pas nanana. Et il y a des gens qui se plient en fait à cette volonté-là. Et pourquoi, en fait, quand Dieu nous demande de renoncer en fait, à nous-mêmes, on a du mal, on se dit « Ah non, Seigneur, ça fait trop mal ». En fait, le niveau de renoncement à soi que tu as, en fait, prouve même l'amour que tu as pour Dieu. Mais oui, mais même, c'est, pour revenir sur ce que tu dis, c'est l'animateur principal, une fois, m'avait dit quelque chose. Je lui avais posé une question par rapport au renoncement à soi. Et il m'a dit, en fait, le vrai renoncement à soi, c'est aimer Dieu comme il veut être aimé. Pas comme nous, comme on veut choisir, etc. C'est-à-dire, en fait, que... Dieu en fait veut qu'on puisse vivre d'une certaine manière, pas pour nous contrôler, parce qu'il sait que si on vit d'une autre manière, ça va pas le faire en fait, parce que si on décide d'avoir un pied avec Dieu, mais un pied à part, ça va pas le faire. C'est ça. Et ce que tu dis justement, ça m'amène à poser la deuxième question et notre deuxième question, du moins la deuxième chose, on va se poser comme question, c'est pourquoi Dieu demande le renoncement à soi. Et comme tu dis, Mona, c'est pour pouvoir l'aimer comme il veut être aimé, pour pouvoir le suivre comme il veut être suivi. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a créé les règles du jeu. C'est ça. En fait, des fois, l'homme oublie que c'est Dieu qui a créé les règles du jeu. On est là et tout, on joue à un jeu, et on est des personnages dans un jeu. Il y a le créateur qui t'explique comment est-ce qu'il a fait les choses, et toi, tu te dis, non, ça doit pas être comme ça. On est où, en fait ? Et la plus grande raison pour laquelle les gens veulent pas suivre le Seigneur Jésus, c'est parce qu'ils font des choses dans leur vie qu'ils ne veulent pas laisser, ils aiment et ils savent que s'ils suivent Jésus, ils vont devoir arrêter de les faire. Le problème, c'est que c'est ces choses-là là, qui tuent ta vie, qui détruisent ta vie et qui te rendent esclave. Donc au final, Dieu sait lui-même pourquoi est-ce qu'il te demande de lâcher Quand il dit par exemple de lâcher le péché, il dit de lâcher le mensonge. Toutes ces choses, lui-même sait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Par exemple, on prend un exemple tout simple. Quelqu'un qui est un menteur. Bon, tu vas mentir à l'école, tu vas aller tricher. Au début, tu vas réussir. Tu vas passer entre les mailles du filet. Mais un jour, tu vas faire, par exemple, je ne sais pas, un mensonge au travail qui va amener peut-être, je ne sais pas, la compagnie à faire faillite ou je ne sais quoi. Du moins, un jour, tu vas devenir chef d'entreprise et tu vas faire un mensonge qui va véritablement ruiner ton entreprise parce que tes employés n'auront plus jamais confiance en toi. Donc, en fait, ce truc que tu as gardé depuis que tu étais petit et le manque de renoncement à soi que tu as eu, ça fait en sorte que lorsque ça va grandir, dans un certain domaine, ça va te détruire, en fait. Donc, voilà pourquoi Dieu... lui-même, il sait comment il a créé les règles du jeu. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il a demandé de faire certaines choses. Même Jésus lui-même, en fait, il sait parce que c'est Jésus, il n'a jamais péché, il ne s'est jamais laissé corrompre, mais il a vécu avec des gens, justement, qui étaient corrompus de la tête aux pieds. Et c'est même si, par exemple, on revient encore à la Genèse, à l'époque de Noé, on voit que toutes les personnes, en fait, du coup, quand le Seigneur a envoyé le déluge pour détruire la terre, toutes ces personnes-là qui étaient restées là-bas, elles n'ont pas voulu renoncer à ne serait-ce que ne plus être dans la violence, ne plus être dans toutes ces choses-là. Mais il y a quelqu'un, Noé, qui, lui, a décidé de renoncer à tout ça parce qu'il aussi vivait avec toutes ces personnes-là. C'est vrai. Ça se trouve qu'il a laissé certains membres de sa famille ou des amis là-bas. Mais il a décidé de renoncer, se dire, OK, Dieu, tu m'as demandé. Au final, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a été le seul à avoir survécu. Et c'est même à partir de lui que Dieu a recréé le monde. C'est ça. Qu'il a décidé juste de renoncer et d'écouter Dieu pour faire ce qu'il voulait faire. En fait, moi, je comprends que... en fait, ça me fait penser à un verset, Romains 8:28, que tout concourt aussi au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en fait, faut comprendre, tout dépend aussi du point de vue. Et moi, je comprends que le renoncement à soi, en fait, c'est...
En fait, c'est vraiment aussi une bonne chose, mais on est obligé de passer par là parce que, enfin, Dieu veut qu'on puisse passer par là parce qu'on pourra jamais mener la vie qui nous appelle à vivre sans ça, en fait. Et j'ai même un verset, en fait, Tite 2.11, qui va dire « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Mmh. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Voilà. » Donc, en fait, on comprend que si on ne renonce pas, en fait, à notre vie, à nos passions, un peu de la chair, tout ça, on ne pourra jamais vivre, en fait, la vie que Dieu nous appelle à mener, tout simplement. C'est ça. Dieu réserve une vie particulière, vie surnaturelle, une vie de miracle, une vie d'exploit, une vie de prospérité, une vie de sanctification, de sainteté, tout ça. Mais il la réserve pour ceux qui ont renoncé à eux. C'est impossible de vivre deux choses en même temps. Regarde, c'est quelque chose. Regarde, tiens ton téléphone. C'est comme si, par exemple, là, Naomi, elle a son téléphone dans les mains. Et je veux lui donner mon téléphone à moi. J'aime bien ça. Pour lui donner mon téléphone, il faut d'abord qu'elle renonce à son téléphone. Là, elle a deux mains, mais imaginons, t'as qu'une seule main, regarde, t'as qu'une seule main. Si tu veux saisir ça, ça va être compliqué de prendre les deux. Il va falloir qu'elle puisse renoncer à ce téléphone pour qu'ensuite, après, je puisse lui donner. Et comme la nature a horreur du vide, tu saisis forcément quelque chose. C'est ça. Tu ne te retrouves jamais avec rien dans les mains. Donc, quand t'as pas saisi la volonté de Dieu, t'es forcément dans celle de quelqu'un d'autre. Mais parce qu'en fait, il faut avoir la notion que, en fait, avant nous, il y avait déjà d'autres personnes, en Que avant nous, il y avait déjà des personnes qui avaient des plans. Et lorsqu'on est venu sur Terre, Dieu a eu un plan pour nous. Mais il y a un monsieur, le malin, a aussi un plan. Dès que tu ne saisis pas le plan de Dieu, tu saisis le plan d'une autre personne. Donc, vaut mieux renoncer à soi pour adopter le plan de Dieu. Parce que des fois, oui, ça peut être difficile. On te dit, oui, fais ci et pas cela. Des fois, tu ne comprends pas tout. Mais à partir du moment où tu es dans le plan de Dieu, assurément, il n'y aura que du bonheur à la fin, que la victoire à la fin, que des choses victorieuses à la fin. Mais des fois, ça fait mal. Des fois, il faut passer par des choses difficiles. Des fois, il faut renoncer à des choses difficiles. Et c'est même là où on se rend compte que le renoncement à soi est lié aussi à la foi en Dieu. C'est là où tu crois véritablement en ses promesses, à ce qu'il dit et ce qu'il t'a fait comprendre, en fait. C'est pour ça que véritablement, renoncement à soi est lié à la foi et vraiment, il faut être connecté au plan de Dieu dedans. Parce que même, tu vois que quand tout se passe bien, en vrai, c'est trop facile. Parce que quand tout est beau, tout rose, etc., et qu'au final, tu arrives à l'objectif, c'est que tu as manqué quelque chose quelque part. Parce que le fait, justement, qu'on passe par des épreuves, c'est pour nous apprendre des choses aussi. Parce que c'est pas juste pour... En fait, c'est pas juste pour nous faire souffrir, c'est pour qu'on apprenne quelque chose derrière. En fait, Dieu, c'est pas quelqu'un de sadique qui, voilà, il est en train de souffrir. Non, c'est juste, en fait, pour nous apprendre quelque chose. Parce que si on est assez lucide et si on comprend pourquoi est-ce qu'on passe par le renoncement à soi, on comprend pourquoi est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, avoir un mauvais caractère. Pourquoi, peut-être, il faut abandonner ceci par rapport à cela. En fait, il faut aussi se mettre dans la tête que c'est quelque chose qu'on apprend. Et Dieu, en fait, est un Dieu de processus. Donc, c'est-à-dire que dans le processus, dans tous les cas, en fait, il va falloir passer par certaines choses. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas pareil. Par exemple, ça se trouve qu'il y a des choses qui vont marcher avec elle, qui ne vont pas marcher avec moi. Peut-être qu'elle, ça va être plus dur. Peut-être que moi, ça va être moins dur. Peut-être que moi, ça va être plus dur. Elle, ça va être moins dur. Parce qu'en fait, on n'est pas les mêmes personnes. On n'a pas le même caractère. On n'a pas les mêmes choses à travailler. Ce qui fait que dans tous les cas, peu importe si quelqu'un renonce à sa vie, entre guillemets, plus que toi, alors qu'en vrai, non, c'est faux. C'est chacun renonce à sa vie à la mesure dont il doit renoncer à sa vie. Et en fait, si chacun, en fait, fait ces choses-là, il sera en fait totalement pertinent pour continuer la suite. Il sera pertinent. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi Dieu, alors, du coup, veut renoncer à sa vie, comme on l'a dit, la première chose, c'est parce que Dieu a créé les règles. Et donc, Dieu sait que tu ne peux pas vivre ta vie si tu ne vis pas sa vie à lui. Et au-delà de ça, je pense que Dieu veut vraiment qu'on lui ressemble. Dieu a le désir, véritablement, qu'on lui ressemble et qu'on soit intime et qu'on soit vraiment... comme lui, en fait. Et voilà pourquoi je pense que Dieu veut qu'on renonce à notre vie pour nous pousser à l'humilité. La Bible dit, lui qui n'a point gardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Donc en gros, il a renoncé à qui il était, en gros, pour pouvoir... La Bible dit même, il s'est rendu semblable à un simple homme. Donc Jésus a renoncé à sa vie, en fait. Mais attends, guette la vie à laquelle Jésus a renoncé. Jésus n'a pas renoncé au fait d'être un chanteur. Jésus n'a pas renoncé au fait d'être youtubeur. Jésus a renoncé au fait d'être Dieu. My God. En fait, pourquoi même Dieu nous demande... Mais c'est trop grave, ça.
Yes, Jésus. Waouh. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Non, mais je voulais vraiment rebondir sur ce que tu m'as dit là. Parce que tout à l'heure, on disait que bah, le renoncement à soi, c'est vraiment genre. Comment dire ça? C'est quelque chose de. Oh my God. Progressif. Mm. De progressif, pardon. Excuse-moi. Et tu parlais de Jésus. Mais en fait, on peut même voir que, par exemple, Jésus, il arrivait à un stade où même, genre, à Gethsemane, lorsqu'il devait bah, là, aller mourir à la croix, il savait qu'il allait mourir à la croix. Ouais. Tu vois? Et à ce moment-là, bah, lui-même, il a dû renoncer encore davantage encore. À lui. En fait, il est arrivé jusqu'à mourir. En fait, voilà, il a renoncé à sa vie, à la vie, mais en fait, pour aller mourir, parce que lui-même, il a dit à ce moment-là, Seigneur, si est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et au final, il s'est recorrigé, et il a dit, voilà, en fait, non, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, tu vois. Ouais. Donc, au bout d'un moment, c'est que vraiment, en fait, plus ta destinée est grande, plus le Seigneur va te demander de renoncer à toi. Parce qu'en vrai, même si on prend l'exemple de la croix, en vrai, Jésus est Dieu. Donc, s'il voulait que tout s'arrête, qu'il descende de sa croix sans aucune blessure, il aurait fait normal. Mais il s'est dit que, justement, si. Le plan de Dieu, si je veux que le plan de Dieu s'accomplisse, il faut que je renonce à ma vie. C'est ça, ouais. Parce qu'il savait en fait ce qu'il allait avoir derrière. Exactement. C'est pour ça qu'il faut... un exemple. C'est ça. Et c'est pour ça même que pour en fait ne plus trop voir le renoncement à soi comme une blessure, il faut voir, imaginer et visualiser ce qu'il y aura après. Derrière, et ce qui fait qu'en fait, bah, ce qu'il y a en fait le pendant, tu vas moins le voir, le sentir, parce que la Bible va dire que les souffrances du temps présent ne valent rien comparé à la gloire qui est à venir. Ouais. C'est-à-dire en fait que si tu sais qu'il y a une gloire qui est à venir après, si tu sais ce qui est à venir après, parce que tu vis sur le coup, bah... C'est ça, et en fait le truc c'est quoi? C'est que des fois nous, on aime beaucoup parler du renoncement à soi en termes de oui, je dois renoncer à ma vie pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Oui. Mais des fois, on comprend pas qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. La vraie spiritualité, c'est pas d'être quelqu'un qui prie des heures. La vraie spiritualité, c'est pas d'être quelqu'un qui fait le bishop, l'archibishop, le pasteur des pasteurs. La vraie spiritualité, c'est mon rapport avec les autres. La vraie spiritualité, c'est comment tous les jours, j'ai un rapport avec mes frères, mes sœurs, mes leaders, les gens en dessous de moi, les gens qui m'entourent, en fait. Ça, c'est la vraie spiritualité. Quand on regarde Jésus, il était spirituel à cause de ses relations qu'il avait avec tout le monde. À cause de comment il a traité la femme pécheresse. À cause de comment il a réagi face à la femme adultère ou quoi que ce soit, vous voyez. En fait, Jésus était spirituel à cause de son caractère. Et c'est important de comprendre que lorsqu'on parle du renoncement à soi, on parle d'une transformation dans le caractère. Voilà pourquoi on dit que renoncer à soi, c'est pas ponctuel. Et voilà pourquoi on dit que c'est quotidien, en fait. Donc, Dieu veut nous pousser à renoncer à nos vies pour qu'on lui ressemble quotidiennement. Qu'on ait le même caractère que lui. Qu'on parle aux autres comme lui. Par exemple, imaginons, on est sur le plateau, le renoncement à soi va se voir lorsqu'on va se parler les uns aux autres. De comment est-ce que Stéphanie va dealer avec Lydia. Lydia va dealer. Par exemple, imaginons, Mona fait un truc embêtant ou un truc qui la contraint. Et comment est-ce qu'elle va réagir? C'est ça le vrai renoncement à soi, frères et sœurs. Et c'est ça, le renoncement à soi dans les relations, en fait. Oui, c'est ça. Bah, en fait, j'aime bien parce que tu appuies sur le point du caractère. Et on a tous un caractère différent parce qu'on a tous un vécu différent. Le caractère se forme petit à petit dû à la culture, dû à l'entourage, dû aux blessures, dû aux offenses, dû aux calomnies, des choses comme ça. Et c'est pour ça que des fois, ça fait mal parce que ce que Dieu travaille dans ton caractère, peut-être en 2024, 2025, 2023, c'est des choses des fois qui datent de 2010. Des fois, des choses qui datent de 2001. Toi, tu n'avais pas vu, tu n'avais pas aperçu, Dieu a vu ça et il sait que ça peut être un poison pour plus tard. Et donc il l'enlève, il le retire. C'est pour ça que le caractère est une des premières choses qu'on voit dans le renoncement à soi. Et des fois quand tu parles, on se dit il y a des choses à corriger, parce que des fois quand tu parles, c'est des blessures qui parlent. Et ça, c'est un manque de renoncement à soi. C'est pourquoi aussi, justement, bah, lorsque par exemple il y a certaines personnes, je sais pas, des leaders ou même genre entre nous, on essaie de se corriger, on te dit voilà, telle chose que tu fais, bah, par exemple, ce n'est pas en fait le reflet de Dieu. En fait, on a tendance à être bloqué direct, à dire ah mais non, mais je suis désolée, mais moi je suis comme ça, En fait, c'est justement ça qu'on appelle le brisement, en fait. Et tout à l'heure, vous parliez, William et Naomi, du fait que en fait, on n'est pas en fait, on est chrétien aussi pour les autres, on doit renoncer en fait à nous pour les autres. Et ça me fait penser à un verset qui est dans Romains 15 2 à 3. Donc en fait, c'est chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché à ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». En fait, c'est vraiment pour, on va dire, le renoncement à soi. C'est aussi, en fait, pour être le témoignage, en fait, un témoignage vivant, en fait, pour tout simplement montrer qui est Jésus aux autres, en fait. Parce qu'au final, si tu n'es pas comme Jésus, si tu ne renonces pas à ton propre caractère, si tu ne renonces pas aux petites choses qui te maintiennent encore, on va dire même en captivité, en fait, les gens ne verront pas Jésus en toi. Tu ne pourras pas porter le message de l'évangile, C'est le but d'un chrétien.
c'est de manifester Christ sur terre. Ouais. Et en fait, en général, on parle de manifester le caractère de Christ. Mm-hmm. C'est-à-dire comment il était avec les gens, comment il réagissait, etc. Et c'est même quelque chose que, sur lequel je méditais encore une fois il y a quelques semaines par rapport au renoncement à soi. En fait, c'est comme si le Saint-Esprit me disait que le fait de renoncer à nos vies, c'est du coup le verset, je vous le prends tout de suite, je l'ai noté tout à l'heure. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ vit en moi. En gros, il m'a expliqué que le fait de renoncer à sa vie, c'est le fait d'accepter de manifester Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, mais maintenant il est au ciel, assis à la droite du Père. Yes. Et la manière en fait que... Enfin, comment dire? La manière en fait comment est-ce que Jésus va être manifesté, en fait, Jésus va vivre au travers de nos vies parce qu'on va manifester son caractère et parce qu'en fait, on va assez renoncer à nos vies. C'est-à-dire en fait que sur Terre, Jésus, là, physiquement, n'est pas là, mais il doit techniquement, physiquement, être là au travers de nous, au travers de notre caractère, au travers en fait de comment est-ce qu'on manifeste Christ, en fait. Yes. C'est ça. Okay. C'est fort. En plus, le verset que tu dis, en fait, ça me fait... Bah, bon, j'aime beaucoup les versions, mais en fait, justement, la même version va dire dans Galates 2:20, justement, New Living Translation va dire... En fait, va directement dire... Enfin, va pas dire « j'ai été crucifié avec... Oui, c'est ça. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui va en moi. » Mais elle va dire « mon ancien moi, mon ancienne identité a été crucifiée avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » En fait, je trouve ça trop pertinent parce que ça veut dire tout simplement que notre ancien nous, c'est notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de vivre. Et en fait, ce verset veut dire que notre vie d'avant, enfin notre vie d'aujourd'hui, comment dire, ne peut plus ressembler en fait à la vie qu'on avait avant, en fait. Amen. Et moi, ça me fait vraiment penser à ça, donc je trouve ça trop pertinent, en fait, le verset que tu as dit, en fait. C'est ça, et dans tout ce qu'on est en train d'aborder là maintenant, en fait, pour moi, la clé du renoncement à soi, c'est l'humilité. Amen. Tu ne pourras jamais renoncer à toi si tu n'es pas humble. C'est impossible. Pourquoi? Parce que renoncer à soi, on ne peut pas le faire avec soi. Il faut le faire avec Dieu. Tu peux pas, regarde, en vrai de vrai, tu auras du mal à renoncer à toi tout seul. Dieu va te donner la force de le faire. Amen. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, comme tu disais si bien, a dû prier pour que Dieu l'aide à renoncer à lui. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit t'aider à renoncer à toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare, il dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si les œuvres de la chair, c'est être vivant à soi-même, ça veut dire que les œuvres de l'Esprit, c'est être mort à soi-même. Ça veut dire c'est avoir renoncé à sa vie. Mais jamais je ne pourrai marcher selon l'Esprit si je ne suis pas humble. Parce que être humble, c'est la capacité de se soumettre à Dieu. Donc si je ne suis pas humble, je ne peux pas me soumettre à Dieu, et donc alors je ne pourrai jamais renoncer à ma vie. C'est pour ça que l'humilité, c'est la plus grande des vertus de la vie chrétienne. Moi, la semaine dernière, j'étudiais beaucoup l'humilité, j'étais à fond dedans, et même je suis encore dedans. J'étudie ça, je cherche à comprendre, parce que l'humilité, c'est la plus grande des vertus de la vie chrétienne. Je vous garantis, quand tu es quelqu'un de humble, tu vas vivre dans la joie, tu vas être heureux, parce que dans tes rapports mutuels avec les personnes, tu sais te soumettre, tu sais t'humilier, tu sais renoncer à ta vie. Jésus, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Mais comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait par le Saint-Esprit. Vas-y, tu veux dire. Même, en fait, tu vis même ta vie chrétienne mieux, en fait. Bah oui. Parce que des fois, par manque d'humilité et par orgueil, c'est là où les diffamations commencent, les embrouilles commencent, en fait, la séparation commence avec les gens. C'est ça. Parce que tu ne peux pas gérer le caractère des gens. Tu ne peux pas gérer le renoncement des gens. Aïe, 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 tu dis quelque chose de tellement puissant. Tu ne peux pas gérer ça. Et donc, par l'humilité, tu peux marcher, tu peux décider de marcher autrement. La personne te répond mal. Ça ne fait rien. J'ai travaillé mon caractère. Yes. Ok, toi aussi tu vas travailler ton caractère plus tard. C'est ça. Je n'en prends point garde. Je ne rentre pas dans des problèmes. Pas dans des discussions vaines. Ça fait rien. Parce que chacun son tour, nous rentrons dans le renoncement à soi. Mais ça, c'est grâce à l'humilité. C'est grâce à l'humilité. Et c'est trop fort ce que tu dis. Parce que des fois, beaucoup d'entre nous, des fois, on ne renonce pas à nos vies. Parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui ne renonce pas à lui. C'est Et en fait, on s'attend à ce que la personne devant nous renonce à lui avant nous. C'est ça. Alors que le mature, c'est celui qui renonce à lui en premier. C'est le mature, c'est celui qui fait le pas de manifester Christ en premier. Tu es devant quelqu'un, il a un mauvais caractère. Est-ce que ça veut dire que tu dois manifester ton mauvais caractère pour pallier au mauvais de lui? Non. Tu vois que la personne a un mauvais caractère, tu le repères, tu le vois, il te parle mal et tout, tu dis « Ah !» J'ai l'occasion de manifester Jésus. J'ai l'occasion d'être plus mature. J'ai l'occasion de manifester les fruits de l'Esprit. Ça peut se passer, et des fois, beaucoup d'entre nous, ça se passe avec ton petit frère. Ton petit frère, il vient, il te parle mal, et il t'embrouille, et il est là et tout, il dit tu veux quoi, toi et tout. Et il te parle mal. Mais toi, c'est toi le chrétien, en fait. Donc c'est à toi de manifester Christ. Par exemple, des fois, ça peut être, je sais pas, avec tes parents, ça peut être avec vos enfants. C'est à vous de montrer que vous renoncez à vos vies. Et j'aime bien l'image, j'aime trop l'image que tu as donnée. En fait, pour renoncer à soi,
premièrement, il y a Dieu qui doit t'amener. Ouais. Et là, ça me rappelle juste Jésus dans le jardin de Gethsémané qui doit aller à la croix. Ouais. Mais puis, il y a le moment où toi-même, tu vas à la croix et tu peux te clouer. Mais comme le présentateur principal aime beaucoup dire, il y a un moment, il y a une partie où tu ne peux pas crucifier, tu ne peux pas planter. Quelqu'un. Parce que quelqu'un doit le faire. Ouais. Oui, tu peux mettre la main droite. Oui, tu peux essayer de mettre la main gauche, je ne sais pas de quelle manière, ou en tout cas à tes pieds. Tu peux mettre à tes pieds. Mais il y a une autre main là qui doit se faire. Et cette main-là, des fois, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ta cousine, c'est ton professeur, des personnes qui sont là, même dans le métro. Des fois, on oublie ça, mais le travail du caractère se trouve partout. Parce que des fois, on va travailler juste à l'église, on va travailler ça juste avec les parents, quand ça va réagir de la bonne manière. Mais celui qui t'insulte là parce que tu t'es assis là, parce qu'il y a une grand-mère, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas le laisser te crucifier? Dans tous les cas, si tu veux vraiment ressembler à Jésus, il y a un moment où tu vas devoir laisser faire quelqu'un. Tu vas devoir laisser faire. Et ça, c'est quotidien. De la même manière où la croix est quotidiennement pour nous, est quotidiennement un emblème pour nous, est quotidiennement en train de parler pour nous. Nous-mêmes, le renoncement à soi doit être quotidien, parce que c'est la croix, le renoncement à soi. C'est pertinent ce que tu dis, parce que, en fait, tu dis que c'est quotidien, mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que le renoncement à soi, parfois, on est directement dans les grandes choses. En fait, c'est même dans les petites choses. Fais la vaisselle, est-ce que tu peux faire ça pour moi? En fait, c'est dans les petites choses, les petits trucs. Où on peut simplement manifester le renoncement à soi. On s'en rend pas compte. On est tellement dans le directement, tu dois, je sais pas, sauter, je sais pas. Alors qu'en fait, c'est même tes parents te demandent un petit truc. Est-ce que même parfois ça te pique, mais comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu va faire en sorte qu'il y ait des situations comme ça où vous allez devoir renoncer à vous-même et vous allez devoir vous humilier. Et pourquoi? Parce qu'il veut vous rendre comme lui. Amen. Et moi, j'ai l'impression que plus tu prends l'habitude de renoncer à ta vie, plus tu prends l'habitude d'être comme Jésus. Amen. Et c'est important dans nos vies de prendre l'habitude d'être comme Jésus. Et c'est des habitudes à prendre. Par exemple, il y en a, ils sont habitués. Dès que tu viens leur parler, direct, ils t'insultent. Ça, c'est une habitude. C'est et en plus, ils disent tout le temps la même insulte. Ça, ils disent telle catégorie de gens, je leur dis ça. Telle autre catégorie, dans toi, c'est plutôt ça. Tu vois, c'est-à-dire, ils disent, non, lui, il a une tête de... Ils savent, en fait, parce qu'ils ont pris l'habitude. Mais est-ce que nous, on pourrait pas prendre cette habitude spirituelle de renoncer à nous? Le pire, c'est que des fois, on est des gens, on prie le matin. Ça veut dire qu'on a vraiment la force de renoncer à nos vies, mais on choisit de pas le faire. Parce que justement, on a l'habitude d'être dans la chair dans ces situations-là. Et des fois, il y a des situations où on a l'habitude d'être dans la chair. Mais c'est à nous de prendre la responsabilité, de dire « Cette situation, j'ai l'habitude d'être dans la chair. Maintenant, je vais décider d'être dans l'esprit. Je vais décider de renoncer à ma vie. Et que maintenant, quand quelqu'un viendra me dire ça, à chaque fois, je vais réagir de telle manière. Yes. » Là, tu es en train de changer. C'est là, la Bible dit d'être transformé, en fait. Amen. D'être transformé. Moi, j'avais un autre point, mais ça viendra après. Ok, ça viendra après, vas-y. La transformation est primordiale. Ouais. C'est impossible de marcher avec Dieu si tu n'es pas transformé. C'est pas possible. Et il le sait, et c'est pour ça qu'il nous pousse à cela. Ouais. Il le sait très bien. En fait tu peux pas marcher avec lui si tu es trop différent. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas renoncé à toi, que tu ne peux pas marcher avec lui. Non, ce n'est pas ça. Quand tu regardes bien même les 12 qu'il a choisis, ce n'étaient pas des gens parfaits. Ouais. Mais il les amène à la perfection. Ouais. C'est sa manière de travailler. Mmh. C'est sa manière de faire. C'est qu'il prend ta main. Il sait que tu étais dans le fumier, etc. Ouais, ouais. Mais il te fait asseoir à la table des grands, à la table des rois. Mais avant ça... Tout ça là, avant tout ça là, le fumier jusqu'à la table des rois, des grands, etc. Il y a ce qu'on appelle le renoncement à soi. C'est ça. Et tu sais, le signe que tu es quelqu'un qui renonce à toi, c'est que dans les situations, tu penses d'abord à l'autre. C'est le signe, par exemple, un conflit. Mais je te promets, on dit renoncer à soi. Mais dans les situations, d'abord, tu penses à qu'est-ce qu'on m'a fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on m'a fait à moi. C'est-à-dire que par exemple, là, tu es en train de me parler ou tu me parles mal, d'abord, je passe à... Mais elle est en train de mal me parler. Ouais. Alors que quelqu'un qui renonce à soi dit, mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça, elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Tu vois, en fait, sa pensée, elle est tournée directement vers les autres. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? La pensée de Dieu, il y a la pensée de Dieu qui sont là, qui, je suis désolée, mais qui insultent Dieu, qui sont là, qui voient Dieu bizarrement. Mais est-ce que Dieu se retourne? Est-ce que Dieu renonce à la personne? Dieu dit, ah... C'est les blessures qui étaient comme ça. C'est les blessures qui étaient comme ça. Je vais attendre le moment où son cœur sera ouvert et je vais l'aider. Et c'est la mentalité à avoir. C'est ça. La personne vient et t'insulte au lieu de dire, mais elle, c'est pas la journée mais que j'ai vécue. C'est pas mentalité de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ça fait mal de laisser ses propres pensées, ses propres blessures, ses propres doutes de côté. Mais gloire à Dieu, parce qu'on décide d'être des dieux sur cette terre. C'est ça. Et penser à la personne en face,
qu'est-ce que ça travaille? Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça travaille? Bah, oui. Tu te dis, oui, moi aussi j'étais blessée, mais bon, c'est quoi ta blessure à toi? Bah, oui. Incroyable. Et même le fait que on renonce, c'est pour que le Seigneur en fait nous transforme et qu'il nous rende en fait comme lui. Parce qu'il faut le comprendre aussi, c'est un leader, c'est notre Dieu, c'est lui qui l'envoie. Il veut qu'on puisse être comme lui pour penser comme lui. Parce que si quand même on prend l'exemple de Jésus, pour revenir sur ce qu'elle est en train de dire, Jésus se faisait insulter. Partout où il allait, il se faisait calomnier. Quand il allait enseigner, on le critiquait. Quand il guérissait les malades, on le critiquait. Quand, quand quelqu'un était blessé, il le critiquait. Quand il allait ressusciter un mort, il était critiqué. Quand il a fait quelque chose, on voit que son ami était tué. Mais est-ce qu'on a déjà vu Jésus s'énerver, mal parler à quelqu'un? Est-ce qu'on l'a déjà vu commencer à calomnier et les gens? Et se plaindre, en fait. Il a toujours manifesté l'amour. Il ne s'est jamais plaint. Il a toujours manifesté l'amour. Quand même quand il a appris la mort de Jean-Baptiste, il a pleuré 2 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est parti. Mais même Jean-Baptiste, on n'a même pas dit qu'il a pleuré. Même Jean-Baptiste, il n'a pas pensé à lui. Même le gars, il va pour aller prier pour lui-même. Et après, il voit, il y a une foule, il dit... Oh, mais peut-être qu'ils ont la dalle de la parole. Oh, peut-être qu'ils ont soif. Et là, d'un coup, ils s'oublient. Wow. En fait, renoncer à sa vie, c'est avoir la capacité de s'oublier dans une situation. Parce que c'est incroyable. Ouais. Parce que ça me fait penser à ce verset qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Exactement, tu vois. Et le renoncement à soi, c'est aimer son prochain comme soi-même. Toute la loi, en fait, se trouve dans ce verset-là, dans cette parole-là, d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, à partir du moment où tu te mets, en fait, à la place de quelqu'un, tu commences à ressentir ce que lui, il ressent. Ouais. Bah, c'est qu'en fait, au final, donner sa vie pour ses amis, c'est même genre. S'oublier complètement. C'est s'oublier. Moi, j'aimerais dire, regarde, donner sa vie pour ses amis, c'est donner son avis pour ses amis. Ça veut dire laisser tomber son avis pour considérer la vie des autres. Parce que des fois, tu veux tellement que ton avis prime, que tu écrases les gens. Tu sais, les gens, ils sont là et tout. Et non, moi. Laisse-toi un peu. Que l'autre puisse parler, que l'autre puisse s'exprimer, que l'autre puisse vivre. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut être, comme on dit, un sous-caca? Voilà. Non, pas du tout. Mais ça veut juste dire que, bien sûr, il y a des gens, des fois, ils sont hypocrites. Là, tu dis non, toi tu es hypocrite en fait. Même Jésus il avait pas de mal à dire ça, il dit vous êtes une race hypocrite, bonne hypocrite. Mais par contre il y a des gens vraiment tu peux voir que non, là ça manque de renoncement à soi. C'est ça. Il y a même une expression qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais si par exemple on prend le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même, on peut dire fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Parce qu'en fait le fait de penser à quelqu'un, en fait on nous dit aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire nous comment est-ce qu'on voudrait être traité. Il faut traiter la personne comme ça aussi. Et même au-delà de ça, comment est-ce que Dieu voudrait qu'on traite cette personne? Il faudrait la traiter de cette manière-là. Mais comment est-ce qu'on voudrait savoir comment est-ce que Dieu veut traiter cette personne si nous-mêmes, on ne sait pas comment Dieu fonctionne ou comment Dieu pratique ces choses-là, en fait. Il faut d'abord connaître, en fait, ces choses-là de Dieu. Après, quand on dit aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes, il ne faut pas nous oublier. Il faut d'abord penser... Faut penser aux autres, mais il faut pas s'oublier du sens où tu ne penses que aux autres et toi tu t'oublies au final. Mais tu sais ce qui est fort dans ça, c'est que Dieu, il est tellement stratège. Non, il est trop technique. Le Seigneur, les gars, il est technique. Il dit aime ton prochain comme toi-même, sachant que tu t'aimes comme Dieu t'aime. Donc au final, tu aimes les autres comme Dieu les aime. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est parce que normalement, tu es censé t'aimer comme Dieu t'aime. Donc tu es censé aimer les autres comme Dieu les aime. Et donc au final, ton amour est censé être parfait pour les autres. Le seul problème, c'est qu'il y en a certains, ils s'aiment. Ils aiment les autres comme eux, ils s'aiment. Mais parce qu'ils ne savent pas comment Dieu les aime. Donc ils finissent par mal aimer les autres en fait. Donc la première révélation à avoir, c'est comment est-ce que Dieu t'aime. Quand tu sais comment Dieu t'aime, je te promets, ça va t'aider à renoncer à ta vie. Moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je suis une petite série d'un manga que vous connaissez, qui est sorti sur une plateforme que vous connaissez également. Et en fait, il y a cette série-là où on voit le leader, qui est Luffy. Voilà, je dis directement. On cite le nom. Et en fait, j'aime bien comment des fois Luffy va comme renoncer à lui. Parce qu'il sait tellement qui il est. Non, vraiment, des fois, les animés, les mangas, ça peut nous édifier. Je suis désolé, voilà, pour vous dire qu'on n'est pas, des gens trop spirituels, qui ne connaissent pas l'actu. Et on est dans Fresh. On est dans Fresh, on est des jeunes, les gars. Donc, moi, je suis. Et Luffy, des fois, il renonce à sa vie. Parce qu'il sait tellement qui il est, qu'il n'a pas du mal à ne pas écraser les gens. Des fois, il sait se mettre en retrait. Il dit juste, moi, je vais devenir le roi des pirates. Moi, je sais qui je suis. J'ai pas besoin, je sais comment moi-même je m'aime. J'ai pas besoin d'écraser les autres. Donc, toi-même, prends aussi un peu de courage, prends de la confiance. Parce que moi-même, je sais qui je suis. Mais surtout que quand tu sais qui tu es, tu sais que tu as toute la force pour aider quelqu'un parce que toi, c'est Dieu qui te gère. Parce qu'en fait, Dieu a tes arrières. Donc en fait, tu dis... Parce qu'en fait, il y a un verset qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu et que tu veux aimer les gens comme Dieu les aime, donne toute ton énergie à aimer les gens, donne toute ton énergie à aider les gens et toi, c'est Dieu qui va te gérer. C'est clair. Waouh. C'est Dieu qui va te gérer. Vous savez, il y a des réactions qu'on a.
parce qu'on est trop concentré sur notre personne. C'est par ça. Exemple, tu es quelqu'un, tu es devenu un responsable et tu es trop concentré sur le fait que non, on ne t'a pas appelé responsable. Mmh. Tu es quelqu'un, tu es le grand frère, hein, tu es concentré sur le fait que ton petit frère ne t'a pas appelé grand frère ou il t'a mal respecté en tant que grand frère. Oui, je parle en termes de vécu. Non, mais parce que c'est vrai que nous-mêmes, on est des personnes aujourd'hui, peut-être on a compris ça. Même, je vous ai dit, j'ai étudié ça la semaine dernière. Oui, mais c'est parce que moi-même, j'ai remarqué un moment dans ma vie que je manquais de renoncement à moi, que j'étais orgueilleux et qu'il fallait être transformé. Ouais. Et vous savez, le signe que quelqu'un est orgueilleux, c'est qu'il pense qu'il est humble. C'est qu'il pense qu'il, qu'il est humble tout le temps et qu'il a tout le temps été humble et que même quand les autres lui disent des choses, il est tout le temps humble. Voilà. Ça, c'est le signe que tu es orgueilleux. Un vrai humble se remet toujours en question. Toujours. Un vrai humble se dit, est-ce que là j'ai été humble? Est-ce que là j'ai réagi comme Jésus? Est-ce que j'ai pensé comme Jésus? Est-ce que j'ai agi comme le maître? Un vrai humble pense de cette manière. Je suis une bonne personne, mais je ne suis meilleur que personne. Ah, ça j'aime trop ça. Ça, c'est un vrai humble. C'est vraiment un vrai humble parce que l'orgueil est tellement subtil. Ouais. L'orgueil, elle attaque comme ça. Et elle va prendre juste une partie de toi, un domaine de toi. Et plus de. En fait, c'est comme une bactérie. Elle va prendre de la place, de la place, de la place. Et toi, tu vas faire ta vie, tu vas te dire, mais non, je ne suis pas orgueilleux. Écoute les personnes qui sont en face. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui vont te dire, non, ça, c'est pas comme si, c'est pas comme ça, ça te touche. Et tu vas dire, non, c'est un complot. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que ton caractère est mauvais. Donc mais tout le monde a fait un complot que non, tu parles mal. Bah, non, tout le monde a fait un complot que tu dois arrêter ceci. Des fois, il faut se poser. Purée, l'orgueil est monté. Non, je peux pas. Parce que l'humilité vient de Dieu, mais l'orgueil ne vient pas de Dieu. Donc choisis ton camp. Vaut mieux même ne pas être orgueilleux. Et comment dire, les gens te disent, et en fait, ils ont tort. Et aller chercher Dieu, que être vraiment orgueilleux et croire que tu ne l'es pas, mais vraiment. Et ne pas aller chercher. Mais c'est ça même la vraie humilité. Attends, exactement. Quand tu regardes l'humilité de Jésus, il a payé pour des choses qu'il n'a même pas fait. C'est ça, wow. C'est quelle humilité. Regardez, attendez, la Bible dit, il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos péchés. Le gars n'a rien dit. Pourtant, c'était même pas ses péchés à lui. Donc comment quand on t'accuse pour des choses que tu n'as pas faites, tu dis, non mais des fois, j'ai rien fait. Des fois, l'humilité, et quand tu ressembles vraiment à Jésus, c'est quand même on t'accuse pour des choses que t'as pas faites. Et tu dis rien. Là Dieu dit, t'es comme mon fils. Là tu es l'image de Jésus. Là tu me ressembles. Là je sens. Mais quand on voit le peuple d'Israël qui insulte l'Éternel, qui parle mal, et pas pendant un jour, deux jours, c'était vraiment habituel. C'était vraiment des années. C'était des années. Ouais. C'était vraiment une habitude. On dirait une congrégation de personnes qui aiment insulter l'Éternel. Mais pourtant, lui, il était là. Plein d'amour, plein de joie, toujours à trouver des solutions, à envoyer Abraham, à envoyer Jacob, à envoyer Isaac, à envoyer, à toujours envoyer quelqu'un. Et pourtant, on l'accusait à tort. À tort. À tort. Et c'est pour ça que des fois, vaut mieux qu'on t'accuse à tort. Tais-toi. C'est ça. Va en parler avec Dieu. Non, Dieu est humble. Des fois, trop parler. Exactement. Mais c'est même on voit même que dans l'humilité aussi, il faut faire preuve d'énormément de patience. Parce que quand tu auras toutes ces choses-là, parce qu'en vrai, plusieurs fois, Dieu aurait pu péter les plombs. Il aurait pu péter les plombs, mais il ne l'a pas fait parce que cette patience-là, en fait, déjà, cette patience-là, elle est animée par l'amour. Parce qu'il savait, en fait, que les défauts qu'ils avaient aujourd'hui, ils pouvaient, en fait, être changés demain et qu'ils pouvaient être complètement transformés. Et en fait, il faut faire assez preuve d'humilité pour être assez patient, pour comprendre que, il y a des gens qui n'évoluent pas de la même manière. Il y a des gens, il y en a pour qui ça prend du temps, il y en a pour qui non. Et même, il faut être assez humble et aussi... Petite parenthèse, il faut aussi assez marcher dans l'amour pour que quand tu vois que quelqu'un fait une erreur, que tu puisses aller lui dire. Parce que c'est quelque chose que moi, je le dis souvent aux gens, c'est que, et ce que je reproche à certaines personnes, c'est que quand je fais une erreur, ils ne me disent pas que je fais l'erreur, ce qui fait que ça m'empêche d'évoluer. Or que quand, par exemple, s'il y a quelqu'un en face de moi, je vois qu'il fait une erreur, par exemple, c'est une chose que j'ai aimée. Il y a quelques mois, j'avais posé une question à Naomi par rapport à mon caractère, etc. Et elle m'a expliqué les choses. Et juste après, en fait, ça m'a permis de me poser sur la chose et de changer la chose, de pouvoir évoluer. Parce qu'en fait, on est là, en fait, on dit qu'on est le corps de Christ. Certes, il y a des choses à travailler entre nous, mais il faut aussi s'entraider. Il faut aussi s'entraider parce que si tu restes que dans ton coin, ça veut dire que tu es égoïste, ça veut dire que tu n'aimes pas assez les autres pour les voir changer. Parce que, en fait, on pense que oui, il faut d'abord qu'il y ait mon changement parce que je dois avoir un impact, parce qu'il doit se passer ça. Mais peut-être que le changement de la personne en face de toi, c'est ça qui va te propulser pour que tu aies un impact. Parce qu'on ne se rend pas compte des fois que le fait de ne pas faire ça et de ne pas accepter ça, c'est comme par exemple quand tu as mangé quelque chose. Ici, tu as de la sauce ici. Et on te dit. Là, t'as de la sauce, là. Et là, tu dis, ah ouais, où? Et tu vois, tu réagis vraiment parce que, oh, bah là, mince, hein, on le voit de partout. Mais des fois, on se rend pas compte que l'orgueil, c'est la même chose qu'on voit sur ton visage. C'est-à-dire que quand il y a l'orgueil, quand tu renonces pas à ta vie,
Okay. C'est-à-dire qu'on voit tous la sauce qu'il y a sur ta bouche. Et non, mais et c'est pour toi, ça, mais au final, tu finis dans la sauce. Parce que tout le monde le voit, en fait. Dans la sauce, au final. Ouais. Mais on le voit tous. Et le problème, c'est qu'en fait, quand les gens, ils veulent pas accepter, c'est comme si on te dit, t'as un truc sur la bouche, ils disent, non, c'est faux. Non, tu mens. C'est impossible. C'est impossible. Je me suis vu dans le miroir tout à l'heure. Je me suis vu dans le miroir ce matin. Je me suis vu dans le miroir hier. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et des fois, on est comme ça. Mais frère, on voit tous, là, il y a la sauce ici. Juste, prends juste l'essuie-tout, dis merci beaucoup. Sois humble. Et comme ça, on renonce à nos vies et on avance et en fait, on grandit dans le Seigneur. Amen. Les gars, cette émission, c'est pas le lait. Je vous dis, cette émission-là. C'est consistant. Parce que des fois, les gens pensent que ce thème-là. Non, ce thème-là, c'est les thèmes pour les gens pour lesquels les gens quittent Jésus. Les thèmes pour les gens, ils arrêtent de suivre le Seigneur. Les thèmes pour lesquels les gens, ils disent, ah non, bon, Jésus, c'est un peu compliqué. Donc, ça, là, c'est les choses. Donc si tu suis encore l'émission, t'es un vrai disciple. Il faut être assez humble pour écouter les gens qui sont au-dessus quand ils te font une remarque. C'est pour ton bien. En fait, il faut pas toujours voir le mal partout. Parce qu'il y a même quelque chose d'une caractéristique, par exemple, de l'amour agapé, c'est ne pas soupçonner le mal. C'est-à-dire en fait que quand quelqu'un va nous faire une remarque ou quelqu'un va nous dire qu'on fait mal quelque chose, il faut pas directement te dire, ah mais la personne, elle est jalouse de moi. Regarde, c'est trop grave. En fait, il ne faut pas voir le mal partout. Quand bien même la personne aurait eu tort, c'est pas grave. Ça fait rien. Tout le monde fait des erreurs. Qui est parfait ici? Ça fait rien. À part Jésus qui est parfait. C'est ça. Et surtout qu'une personne qui remarque l'orgueil et qui te le dit, en soi, c'est de l'amour parce qu'il sait que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ça. Et en fait, quand il te dit juste, gars, fais attention parce que là où tu vas, Dieu peut te résister. Donc reviens vers moi, écoute ce que je dis. Comme ça, on va tous ensemble vers Dieu. C'est ça. Parce c'est que Dieu, en soi, il aime tout le monde. Mais les orgueilleux, il y a un problème. Exactement. Il y a un problème. Enfin, c'est pour ça que c'est par amour. Il faut comprendre quelque chose avec l'orgueil. C'est que déjà, de un, c'est subtil et ça t'aveugle. Et le fait que tu restes orgueilleux, parce que des fois, il y en a qui savent qu'ils sont orgueilleux, mais ils ne veulent juste pas changer. Mais je pense que vous connaissez tous l'exemple de Lucifer. Je ne pense pas que c'est une nouvelle pour quelqu'un. Il a été orgueilleux. Regardez là où il est aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Parce qu'en fait, si tu es orgueilleux, tu ne pourras jamais évoluer. Tu ne pourras jamais grandir. En fait, même en étant orgueilleux, en fait, c'est comme si tu disais à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Ce que tu fais là, ça sert à rien. Moi, je peux me gérer. C'est ça. Et tu sais, avant de passer au troisième point, comme tu parles de Lucifer, en fait, au-delà même du fait de chuter, parce que des fois, les gens, ils ont peur d'être orgueilleux parce qu'ils ont peur de chuter. Non. Au-delà de chuter, on dit que l'orgueil, c'est ce qui a fait passer de Lucifer à Satan. Mais Satan, c'est l'ennemi, en fait. Donc, en fait, et l'ennemi de tous, en fait. Donc, ça veut dire que l'orgueil, c'est la chose qui te transforme en ennemi de tous. Ouais, l'orgueil, c'est ça qui fait de toi l'ennemi de tous. L'ennemi de c'est tous. Pour ça que et tes seuls amis, c'est les ennemis de tous. Donc, c'est-à-dire que c'est la seule chose qui te fait partenaire du diable, en fait. C'est la seule chose qui te fait partenaire de l'ennemi. Je suis désolé. Ah non, mais vous parlez, c'est pas grave, on parle. Je suis désolé, les gars, on a fait une étude la semaine dernière. Il faut que ça ressorte. C'est trop grave. C'est trop incroyable. Tu vois. Mais donc. En fait, c'est ça. Donc, faites attention à ça. Vous allez vous retrouver dans un endroit. Il y a tous vos anciens amis chrétiens qui sont là. Et vous avez l'impression que tous sont contre vous. Mais au final, c'est toi qui es tous contre eux. Parce que c'est toi l'orgueil du groupe, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que le renoncement à soi même entraîne l'orgueil, en fait. Parce que le manque de renoncement à soi, c'est de dire non, ok, moi, je mets les choses de Dieu, là, ce que Dieu veut pour moi, à côté. Et vu que je suis là, moi, je suis bien dans mon truc et tout. En fait, le problème, c'est qu'en fait, les gens qui sont orgueilleux, Dieu n'est clairement pas avec eux. Et ça me fait penser à un verset dans Jean 12, 24 qui dit oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. En fait, il reste seul, c'est quoi? C'est parce que Dieu n'est pas avec lui. Si tu ne renonces pas à toi-même, en fait, désolé, mais Dieu n'est pas avec toi. C'est ça. On est là, on essaie de te corriger, on te parle, on te parle, on te parle. Désolé, mais en fait, au bout d'un moment, Dieu te dit les choses au travers même de certaines personnes. Et toi, tu dis, mais non, elle veut me faire mal. Mais c'est pas parce que ça fait mal que Dieu n'est pas là-bas, en fait. C'est ça. La correction fait mal, mais ça apporte en fait quelque chose de joyeux. Eh ben, c'est génial, Lydia, parce que justement, notre troisième point, c'est pourquoi ça fait mal de renoncer à soi. Et là, on va donner vraiment des raisons concrètes. Et je vais d'abord donner. Parce qu'on a beaucoup parlé ici, mais, je vais vous donner aussi la parole même à Stéphanie. Et Stéphanie, je vais même te donner la parole directement. Pourquoi ça fait mal de renoncer à soi? Pourquoi ça fait mal de renoncer à soi? Moi, je pense que déjà, c'est parce que, par exemple, on a l'habitude peut-être de faire certaines choses. Je sais pas, t'as l'habitude de bon, un exemple un peu banal, mais je sais pas, imaginons que tu aimes la glace au chocolat. Je sais pas. Et toi, c'est que ça, etc. Mais demain, on te dit, ben non, en fait, c'est la glace à la vanille, par exemple. Et pourquoi ça fait mal? C'est parce qu'en fait, t'as l'habitude, toi, d'aimer ça. Toi, c'est ton truc. C'est la zone de confort. Voilà, c'est ton truc, t'aimes ça.
Et en fait, ça fait mal parce que bah, tout simplement, déjà, tu n'es pas habitué. Ouais. C'est pas ton habitude. Et moi, je pense que bah, à chaque fois, même qu'on instaure une nouvelle habitude dans notre vie, ouais. En fait, ça fait toujours mal parce que, bah, comme en fait, elle a dit le bon mot, on sort de notre zone de confort. C'est ça. Mmh. Et c'est ça. Généralement, wow. Je sais pas, quelqu'un qui est allongé, ah, pff, se lever, c'est ça fait. En fait, il y a des efforts. Donc moi, je verrais ça comme ça quand on dit « aïe, ça fait mal ». Waouh, c'est fort, c'est parce incroyable. Que là, tu touches un point qui relève de la crise identitaire. Ouais. Parce que ça veut dire, en fait, des fois, que renoncer à soi t'amène même à changer comme d'identité. Oh, oui, bien sûr. Parce que t'étais comme quelqu'un, tu vois ou pas ce que je veux dire? Parce que par exemple, quand t'étais dans le monde, voilà, par exemple, les gars qui me regardent maintenant, tu étais dans le monde, tu disais « non, moi, c'est l'ego comme ça, ta 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 ». Et maintenant, tu dois maintenant être le sanctifié. Non, mais pour de vrai. Tu changes d'identité par rapport à tes potes, en fait. Parce que tes potes, vous aviez comme la même identité, un gars meuf et tout, le gars, il gère et tout. Mais là, en fait, ton identité, on la casse, on la brise. Et maintenant, toi, tu es le gars sanctifié, en fait. Donc, ça fait mal parce que au final, même, c'est comme si tu avais un groupe d'amis, c'est plus ton groupe d'amis. Tu étais, en fait, comme avec plein de gens, au final, tu vas te retrouver seul. Ouais. Donc, renoncer à soi, ça fait mal, en fait, à cause de ça. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, de base, j'aime pas forcément, désolé, plein de gens vont crier derrière leur écran, les bananes plantains. Pour de vrai. Ah. Oui, non. Mais regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Là, vous dites, ouh, mais maintenant, j'aime bien. Ah, parce que je suis quelqu'un qui sait renoncer à ça. Alléluia. Non, mais pour de vrai. Voilà. Il y a le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, même, par exemple, il y a des choses qu'on n'aimait pas quand on est petit. Ouais. Et on a comme bâti une identité par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire, on te donnait tout le temps ça à manger. Okay. Par exemple, l'avocat, même moi, j'aimais pas l'avocat. On me propose l'avocat, non, je te promets. Je me disais, mais c'est trop nul l'avocat. Et à l'ancienne, j'aimais vraiment pas. Mais quand j'ai grandi, j'ai été assez mature pour renoncer à sa vie et dire, peut-être qu'aujourd'hui je peux aimer. Et des fois, le problème des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire ce pas-là de changer, en fait. C'est ça. Tu vois, de se dire, peut-être qu'aujourd'hui je peux. Peut-être qu'aujourd'hui je peux devenir un homme de prière. Peut-être qu'aujourd'hui je peux servir Dieu en prêchant. Peut-être qu'aujourd'hui je peux gagner les gens de ma classe. Peut-être qu'aujourd'hui je peux prêcher l'évangile à mes frères et mes sœurs. Peut-être qu'aujourd'hui je peux arrêter tel péché et vivre sans le faire. Mais ça demande un bon cœur. Et même pour continuer sur ce que tu dis, c'est aussi parce qu'il y a cette peur en fait d'être différent. Parce que quand t'es différent, les gens vont parler, les gens vont calomnier, tes amis peut-être vont te rejeter, ta famille peut-être va te rejeter, quand tu pourras être persécuté. En fait, le fait de vouloir être différent, et c'est quelque chose qu'un homme de Dieu disait, c'est qu'il faut du courage pour être différent. Parce que, par exemple, si on prend encore une fois l'exemple parfait, Jésus, il a été différent des autres. Mais peut-être je pense qu'à son époque, ça a été l'une des personnes qui a dû le plus être critiquée. Et même aujourd'hui encore, 2000 ans après, il est quand même beaucoup critiqué. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'en fait, il a fait le choix d'être différent et de ne pas en fait, se baser continuer en fait, sur ce que les gens disent. Exactement. Par exemple, je sais que moi, en donnant ma vie à Christ, il y a beaucoup de gens que j'ai perdus. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, ont commencé à me supprimer, à ne plus me parler, juste parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Ouais. Juste parce que j'ai décidé de poster les choses sur Jésus. Parce que, en plus, il y a même une fille, par exemple. Ça, par exemple, voilà. Voilà un exemple de quoi ça fait mal, je vais vous dire. Une fille que je considérais comme ma meilleure amie. Vraiment ma meilleure amie. Du jour au lendemain. Elle ne me parle plus. Je vois sur ses stories, elle commence à critiquer mon église. Elle commence à faire des sous-entendus. Oui, les chrétiens, si on dit ça. Elle commence à faire des sous-entendus. Elle commence à me critiquer l'église. Et du jour au lendemain, elle me supprime de partout. Franchement, moi, je vous avoue, ça m'a fait mal. Parce que je me dis, c'est mon amie. En vrai, quand bien même, c'est mon amie. Même si toi et moi, on ne pense plus de la même manière, c'était pas forcément ma manière de penser qui a fait qu'on était amis. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, voilà. Donc, oui, ça fait mal. On va perdre des amis. Peut-être que notre famille aussi sera contre nous. Parce que des fois, en fait, on pense trop que, il y a que ci, il y a que ça. Mais en fait, on ne sait pas d'où ça peut venir. Ça peut venir de la famille, du travail, des amis. Ça peut venir des personnes proches, des personnes même qui n'ont rien à voir avec toi. Des gens juste qui t'ont vu dans la rue, ils veulent juste te critiquer. Des fois, tu comprends pas. Mais en fait, il faut passer par là et il faut en fait accepter d'être différent. Amen. Parce que justement, faire la différence, ça amène en fait à avoir des avis différents et des résultats différents. My God. Et justement, pour rebondir sur toutes les deux ce que vous avez dit, en fait, ce qui empêche aussi les gens beaucoup de renoncer à eux, c'est, je pense, le regard des gens. C'est vraiment en fait de ne pas faire l'unanimité parce que, désolé, dans un monde où même Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité, pourquoi en fait toi tu vas. Et la Bible va dire, je sais plus c'est quoi le passage exactement, mais qui dit que malheur à celui dont on ne dit que du bien en fait. Parce qu'au final, tu peux pas, on peut pas juste être là et puis genre on va te brosser dans le sens du poil et tout le temps tu vas faire l'unanimité parce qu'au bout d'un moment, à quoi sert un homme en fait de gagner le monde s'il perd son âme? Vous voyez? Et ce que je veux dire par là, c'est
c'est qu'en fait, bah, les gens n'aiment pas, en fait, bah, comme on disait tout à l'heure, sortir de leur zone de confort, faire des choses qui sont vraiment différentes de ce que tout le monde fait. Mmh. Et même, j'ai envie de dire, le renoncement à soi va te pousser à faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Mmh. Tu vois, on parlait de changement d'identité, on parlait de devenir une autre personne, etc., ouais. D'avoir le caractère de Jésus et tout. Et ça me fait penser à un jeune homme dans la Bible, mmh. Le jeune homme riche, okay. Dans Matthieu 19, qui, qui est venu voir Jésus, en fait, oui. Pour lui dire, voilà, Seigneur, comment faire pour aller... pour accéder au royaume de Dieu, etc. Et voilà. Et Jésus lui disait, bah, en fait, tout ce que tu as, toutes tes richesses, etc., parce que les deux gars étaient vraiment riches, ils avaient des titres, etc. Tout ce que tu as, bah, va les vendre. En tout cas, donne-les à des pauvres et renonce-y, renonce à toutes tes richesses. Parce que, alors que le jeune homme, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a bataillé pour avoir ses richesses. Peut-être, je ne sais pas, il était un grand chef quelque part, je ne sais pas moi. Et en fait, au final, Jésus lui a dit, bon, voilà, tout ce que tu as, renonce-y et tu vas accomplir, en fait, la volonté de Dieu. Voilà. Et là, en fait, il a été triste. Mmh. Il a dit, voilà, il a été vraiment triste et il s'en est retourné et tout. Et Jésus parlait aux disciples et disait, voilà, de cette manière-là, en fait, si vous ne renoncez pas à vous, ben, en fait, vous ne pouvez pas accomplir pleinement la volonté de Dieu. Ouais. Et ça, c'est ce que les gens, en fait, ont vraiment du mal à faire parce qu'ils sont encore attachés, comme ce jeune homme riche-là, ouais. À des richesses, à des choses qui, je sais pas, qui leur sont chères, en fait, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que, je vais finir sur ça, mmh. Que Jésus disait, en fait, aux disciples que, en fait, quelqu'un, qui il sera difficile par exemple à un riche bah, de rentrer au royaume des cieux parce que bah, tout simplement ils ont du mal en fait encore à renoncer à toute leur richesse, à tout ce qu'ils possèdent en ouais. Fait de grand, voyez. Et c'est pour ça que quelqu'un par exemple qui a un passé lourd etc aura plus du mal par exemple à renoncer bah, je sais pas moi, à sa vie passée pour adopter bah, celle de Dieu en fait. Et c'est vraiment le regard des gens et ce qu'on possède en fait, ce qu'on possédait avant de venir à Christ. C'est ça, comme le Seigneur va nous dire dans Romains 12, 2 hein, d'être transformé par le ouais. Renouvellement de l'intelligence mais pas pour rien. Il dit « Afin de discerner quelle ouais. Est la volonté de Dieu, okay. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mmh. » Dieu veut nous conduire à la perfection. Okay. Et pourquoi des fois renoncer à soi va faire mal? Parce que des fois renoncer à soi, et même tout le temps, renoncer à soi va nous mettre au pied du mur que ouais, soi oui. N'est pas parfait. Mais... Que wow. Moi, je ne suis ça, pas parfait. C'est vraiment très facile. Ouais. Ça, c'est-à-dire que c'est pourquoi ça fait mal? Parce que des fois, tu penses que tu es parfait dans la situation. Ouais. Tu penses que tu es mature dans la situation. Tu penses que tu es chaud. Non, tu es un gars qui gère tout ça. Mais renoncer à toi va te mettre au pied du mur, en fait. Ouais. Et ça va te juste ouvrir tes yeux sur oui, le fait que non, tu n'es pas parfait, mon pote. Il y a des choses sur lesquelles tu es immature. Il y a des choses sur lesquelles tu ne comprends pas. Même là, quand je dis ça à vous, je parle à moi-même. Il y a des choses dans lesquelles je suis immature, des choses que je ne comprends pas. Et renoncer à sa vie, c'est être capable de dire que non, il y a des gens qui sont plus parfaits que moi dans ces choses, ouais. Qui sont plus avancés. Et même la parole de Dieu, elle est parfaite, en ouais. Fait. Et donc, il faut que moi, je change d'avis, je change qui je suis pour adopter son système de pensée. Ouais. Sinon, je ne pourrais jamais évoluer. Mais et des oui. Fois, le problème, c'est même ça le problème de beaucoup à l'école. Beaucoup à l'école, comme ils sont orgueilleux, comme ils ne renoncent pas à leur vie, le professeur vient te dire un truc, mais toi, tu choisis de choisir ce que toi, tu veux. Ouais. Le problème, c'est qui le prof, en fait? C'est qui a eu le bac, en fait? Parce que tu sais pas que le gars fait des cours. Il fait des cours. Ouais. Parce que les professeurs font des cours, même ils ont des remises à niveau à chaque fois, en ce qui concerne. Donc, il est là pour t'enseigner. Donc, quand tu veux faire le super, alors que tu as 15 ou 14, ou même pour moi, 15 ou 14, c'est pas une bonne note. Vraiment, pour moi, les bonnes notes en tant que chrétien, c'est 20. Désolé d'être excellent. Non, parce que j'ai vu qu'ils ont dit, oh, il a dit 15 quand même. Mais non, je vous garantis, chrétien, c'est 20. Donc, pour moi, quand t'as pas 15, c'est bon. Ouais. C'est agréable. Voilà. Ouais. Mais nous, il a dit, c'est pas parfait. Nous, on nous a dit, il faut que ce soit parfait. Donc, moi, le parfait, c'est 20. Donc, tant que t'as pas 20, accepte des fois d'être repris, accepte des fois de changer. Et c'est comme ça que vous allez être des personnes avec, on va dire, une très grande vie, une grande carrure, des personnes de hauteur. Et c'est pour ça qu'on dit même que l'humilité précède quoi? La gloire. Parce que quand tu es humble, tu vas recevoir des choses pour te rendre parfait, en fait. C'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ça fait mal. Ouais. Et c'est même quelque chose que l'un de nos pasteurs. Nous avait dit un jour, c'est que quand par exemple on te fait une remarque ou quoi que ce soit, la manière en fait comment est-ce que ça te fait mal, ça relève tout simplement juste le niveau d'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Ouais. Genre en fait, plus ça te fait mal, tu te dis, hein, c'est l'orgueil là. L'orgueil là. Pose-toi les questions. En fait, si ça te fait mal, c'est qu'il y a de l'orgueil parce que en vérité, on dit renoncement à soi, mais après le renoncement à soi, c'est la mort à soi. Et on dit qu'un mort ne réagit pas. Ouais. Quelque chose que l'apôtre dit tout le temps, allez mettre un réveil dans un cimetière, on va voir s'ils vont se réveiller. Du sang-sou, un mort, il peut pas répondre. Du sang-sou, quand tu vois que ça te fait mal, c'est que ça... Il y a encore du toi. Il y a encore du toi auquel tu dois renoncer. Et si tu ne renonces pas, tu ne pourras jamais grandir. En fait, il faut se dire que le manque de renoncement à soi,
En fait, c'est comme une jauge ou alors une échelle. Mm. Plus tu renonces à toi, plus, par exemple, l'échelle de ta vie, on va dire, elle augmente. Plus, je sais pas moi, tu as plus de bénédictions, tu as plus d'opportunités. Enfin, ou alors même juste, tu grandis plus avec Dieu. Parce c'est que ça. Même grandir avec Dieu, il faut renoncer à sa vie. Il faut renoncer à sa vie, prendre le temps de prier, il faut prendre le temps d'aller à l'église. Faut prendre le temps de passer du temps avec Dieu. Ça demande du renoncement à soi. Ouais. Et si même, ne serait-ce que le minimum, tu n'y arrives pas, il faut que maintenant, tu puisses faire une introspection, voir ce qui ne va pas à l'intérieur. Ou même tout simplement écouter ce que les gens disent. Mmh. Parce que beaucoup de fois aussi, au travers de ce que les gens disent ou même de leur regard, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Soit assez humble, va demander ce qui ne va pas, ou alors accepte ce que les gens disent et puis voilà quoi. C'est ça, amen. Et d'ailleurs, par la même occasion, on parle de ça. Et avant de faire cette émission, on a demandé tout simplement que vous puissiez nous poser vos questions. Et alors, on a eu plusieurs questions que tout simplement les personnes ont pu nous poser concernant l'émission Fresh. Ouais. Et on va alors passer à une rubrique. On a une question principale, c'est la question du jour. Et ensuite, on aura également d'autres questions que plusieurs personnes nous ont posées et qu'on va pouvoir, on va pouvoir y répondre. Et je vais vous poser la question, ok? Donc, c'est maintenant pour la rubrique la question du jour. De retour sur Fresh. On est dans la rubrique La question du jour et j'aimerais tout simplement lire cette question, ok? Cette question qui nous vient tout simplement de Stacy qui nous dit « Est-ce qu'il y a un plafond dans le renoncement à soi ?» Oh là là. Stacy, est-ce qu'il y a un plafond dans le renoncement à soi ? Qui aimerait répondre à cette question ? Mona, que Mona. Moi, j'ai pas bien compris la question, en fait. En fait, est-ce qu'il y a une limite, en gros ? En gros, est-ce qu'un jour, tu auras... La loi du plafonnement de John Maxwell dans les 21 lois. Est-ce qu'il y a une fin au renoncement à soi ? Non, moi, je pense pas. En fait, tant que t'es pas parfaitement comme Christ, bah... Ouais, pour moi, la limite, c'est genre Christ. Pour moi, c'est comme... Enfin, je sais pas si c'est ça, la question. Mais pour moi, le plafond, c'est comme Christ. Enfin, c'est jusqu'à arriver à Christ, mais bon... Faut toute une vie pour... Si, pour moi, c'est une très bonne réponse. Ouais. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu faite chair. Donc, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie parfaite. Donc, si Jésus a vécu une vie parfaite, le moyen par lequel on est parfait, c'est être comme Christ. Hein. La Bible dit Dieu nous appelle à être semblable à l'image de son Fils. C'est Romains 8, verset 29, je pense. Il dit Dieu nous appelle à être semblable à son image à lui. Donc, en vrai, c'est ça, pour moi, le plafond du renoncement à soi. Ouais. Mais regardez le renoncement à soi de Jésus. Il est mort pour les iniquités qu'il a. C'est une dimension quand même. Y a pas de fait, moi, tant que tu vis, il y aura toujours du renoncement à soi. Parce que le renoncement à soi est pour les choses passées, les choses présentes et les choses futures. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Parce qu'on parlait beaucoup du passé en disant que oui, c'est passé ci dans ta vie, etc. Mais il y a aussi un renoncement à soi actuel par rapport aux situations actuelles. Il y a un renoncement à soi qui est prévu pour le futur. Et il y a certaines situations que tu n'as jamais vécues et il faudra un certain renoncement à soi pour y accéder. Et donc assurément tu n'as jamais eu encore 20 ans, tu n'as jamais eu encore 25 ans, tu n'as encore jamais eu 35 ans, 45 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans, et dans chacun des âges là que j'ai cité, il y aura un renoncement à soi adéquat. Donc non, il n'y a pas de limite, parce que tout simplement on veut ressembler au Christ. De toute façon le renoncement à soi est passé, pendant et futur. Ok, gloire à Dieu, vos réponses vraiment sont vraiment bien. Et il y a une question également de Chris Lang que j'ai ici, c'est tout simplement la question: quelles sont les clés pour renoncer à soi? C'est quoi les clés concrètes, en fait? Concrètement, c'est quoi les clés pour renoncer à soi? Bah déjà, il faut aimer Dieu. Ah oui, hein. Il faut aimer Dieu, il faut aimer sa parole. Il faut vouloir grandir avec lui et pleinement embrasser, en fait, ses projets pour nous. Parce que la Bible dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Effectivement. Donc, il faut pleinement aimer Dieu. Il faut... En fait, le but même d'aimer Dieu, c'est apprendre à nous aimer nous-mêmes. Et le but de connaître le Seigneur, c'est d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Parce que... on est à son image, en fait. Okay. Et si on n'est pas réellement son image, c'est qu'en fait, il y a encore des défauts, en fait, à cette image-là qu'on a aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est ça, c'est l'amour pour Dieu. Okay. Donc, l'amour pour Dieu, ok. Quelqu'un a une autre clé? Moi, j'aurais dit, c'est aussi prendre vraiment conscience que à partir du moment où on accepte Christ, c'est plus notre vie. Voilà, parce que si tu n'as pas pris conscience de ça, tu poseras toujours les mêmes actes qu'avant, etc. Mais si tu prends conscience, en fait, que tu as accepté Jésus, et à partir de ce moment-là, c'est plus toi qui vis, mais c'est lui. Je pense que ça aussi, ça facilitera, ça facilitera le fait que tu poseras, enfin, tu renonceras davantage à ta vie, tout simplement pour mener une vie comme celle de Christ. Mmh.
Moi, je dirais tout simplement que c'est un conseil, c'est vraiment d'avoir foi en Dieu. Parce que c'est impossible de renoncer à soi si tu n'as pas confiance à la personne qui te le demande, en fait, c'est véritablement. Ça. Il faut croire qu'il a un plan et que dans les choses qu'il te demande de délaisser, c'est parce qu'il veut combler autre chose. William a donné l'exemple du téléphone. C'est impossible de donner un téléphone si tu ne lâches pas toi-même ton téléphone. Et de la même manière, des fois, il veut placer des choses dans notre vie, mais par manque de foi, par manque de renoncement à soi, il ne le peut pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut croire que Dieu fait bien les choses. S'il te demande d'arrêter ceci, d'arrêter cela, de continuer ceci, de placer cela, c'est parce qu'il a un plan derrière, il a quelque chose derrière, il a une vision. Donc véritablement, la foi en Dieu détermine énormément le renoncement à soi. La foi en Dieu, et moi, je donnerais une clé. Je donnerais une clé aussi comme la parole de Dieu, en fait. Vraiment, la parole de Dieu est ce qui va vous amener à renoncer pleinement à votre vie. La Bible le dit quand même, et Jésus surtout va dire dans Jean 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. » Sachant que Jésus est la parole, il est en train de dire « Moi, la parole, je suis venu pour vous montrer comment vivre. » Et si Jésus veut nous amener à vivre en renonçant à nos vies, ça veut dire qu'en étant proche de sa parole, en étant proche de la parole, on renonce forcément à nous. Par exemple, on a le verset comme Romains 12, verset 1 qui dit « Offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Voilà ce qui serait pour vous un culte raisonnable. » Donc en gros, ici, on voit que la parole de Dieu nous explique clairement comment renoncer à nous. Il y a les proverbes qui peuvent t'amener à être sage dans les relations. Il y a les psaumes qui peuvent t'amener à totalement dépendre de Dieu. Il y a tout simplement les épîtres qui peuvent t'amener aussi également à bien dealer avec les gens. Il y a un moment, il va dire « Connaissez quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. » Donc l'apôtre Paul, tout ça nous donne des conseils terribles dans la parole qui a été écrite par le Saint-Esprit. Donc restez proche de la parole, transforme ton caractère, t'amène à renoncer à ta vie et te rend comme Jésus. Et j'aimerais peut-être donner une dernière clé. Je dirais en fait demander de l'aide à Dieu. Parce que la Bible va dire, enfin dans Jean 15, le Seigneur Jésus en fait dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que même dans le renoncement à soi, en vrai, il y a une dimension en fait qu'on ne pourra jamais atteindre si on ne demande pas de l'aide à Dieu. Et même par exemple si on demande de l'aide à Dieu, pour revenir sur ce que vous avez dit, il va nous aider à avoir la foi, il va nous aider à méditer sa parole. Je ne sais plus quel exemple vous avez donné exactement, mais en fait il va nous conduire en fait à ces choses-là, parce que si on demande de l'aide à Dieu, ça veut dire en fait qu'on inclut Dieu dedans, donc on donne en fait la main à Dieu de pouvoir nous conduire. Donc c'est-à-dire en fait qu'on pourra être par exemple dans la plénitude de son esprit, etc. Il va nous conduire par exemple à méditer tel verset, à lire tel livre, il va nous dire de faire ceci, de faire cela, et en fait tout simplement en fait lui demander de l'aide, déjà de un aussi c'est une très grande preuve de foi. Parce que tu crois que Dieu va t'aider et tu crois en fait que bah, ça s'arrangera et que dans tous les cas, bah, tu en ressortiras victorieux. Mais demander de l'aide aussi, ça nous rend humble du sens où on se dit en fait dans tous les cas et on fait comprendre dans notre âme que bah, sans Dieu, bah, je peux rien faire. Donc même pour renoncer à soi, il faut demander de l'aide à Dieu. C'est ça. Également, autre question, comment amener quelqu'un, pousser quelqu'un à renoncer à lui? Déjà, moi, j'ai une première réponse. Si tu poses la question, c'est que la personne n'est pas connectée actuellement sur l'émission. Et donc, ça veut dire que déjà, la première chose, il faut lui demander d'installer l'application Évangile TV sur son téléphone, sur sa télé, et de se connecter aux émissions pour les regarder. Mais donc je dirais ça, c'était pour la blague, mais la première chose déjà, c'est de regarder l'émission et de l'amener à regarder le replay. C'est vrai, on a fait une émission sur ça, ça peut être rapide. Et sinon, moi je pense que après je vais vous laisser parler, qu'il faut vraiment lui faire comprendre l'importance de ce que c'est et être nous-mêmes un témoignage de renoncement à soi. C'est compliqué d'amener quelqu'un à suivre. Vous savez, le mot enseigner dans la Bible, c'est le mot didasco, qui veut dire mettre en lumière, exposer. Donc ça veut dire qu'enseigner à quelqu'un, c'est exposer quelque chose. Mais comment est-ce que je peux exposer quelque chose que je ne suis pas moi-même? Le meilleur enseignement, c'est ma vie. Donc ça veut dire que pour enseigner le renoncement à soi à quelqu'un, il faut être un exemple de renoncement à soi. Donc pour moi, c'est ça la première étape déjà pour amener quelqu'un à renoncer à sa vie, c'est soi-même être un exemple. Le canapé, allez. Réponse complète. C'est vrai que j'ai un exemple du renoncement à soi. C'est que, c'est comme tu as dit, c'est vraiment lui exposer à des enseignements, à des exhortations, etc. Parce qu'il faut avoir la notion que tu peux parler, mais le renoncement à soi ne doit pas être créé simplement par ton envie à toi. C'est une envie qui doit être créée chez la personne. Parce que des fois, à trop vouloir mais pas allumer le feu chez la personne, en fait, ça sera avec ton propre feu qu'elle va y aller. Elle va y aller avec ton propre feu.
désolée, il y a un truc qui m'a fait rire, mais en tout cas. Mais c'est avec ton propre feu qu'elle va y aller, et à un moment c'est donné... C'est quoi, c'est bon feu ? Je sais pas. Et à un moment donné, vous allez voir en fait qu'elle va arrêter. Elle va oui, bah oui. Nous aujourd'hui. À faire semblant surtout. Elle va faire semblant surtout. Ouais. Elle va voir que ah, c'est un désir dans ton cœur. Ok, bon, je vais faire ci. Alors que nous aujourd'hui, nous sommes le fruit d'un enseignement, d'une exhortation qui nous a enflammés. Mmh. Aujourd'hui, vous pouvez voir, on est jeunes, comme etc. Mais personne ne nous a poussé à parler de ça. Et même on en parlait en amont, on s'y sait, mais quelle grâce de parler du renoncement à soi. Ouais. Et on était là, on se disait, ah, ça c'est mon thème. Grave. Mais qui nous a dit ça? Non, on nous a juste exposé à la parole. Mmh. Et c'est le feu de la parole qui nous a été communiqué. Ouais. Et aujourd'hui, on a le feu du renoncement à soi. C'est ça, et pour connecter à ce que tu dis, la Bible dit dans Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu sais, quelqu'un là-bas. Ah, c'est ça que tu allais télécharger Oh, c'est les États-Unis, ça. America. Oh my God. C'est quoi, parce que vous savez pas que c'est une Américaine. Je savais pas que c'était à cause de ça qu'il avait dit. C'est vrai, non? Mais c'est vrai. Tu sais ça. Vraiment? Tu me l'avais dit la dernière fois. Ah, yeah. Bah écoute, je suis animateur, je m'intéresse aux chroniqueurs quand même. C'est le renoncement. C'est le renoncement. C'est là, c'est la gâte. C'est là, c'est aux voilà, on vous prouve qu'on a des bonnes relations. Voilà, non, mais en tout cas, le Seigneur va quand même dire si quelqu'un veut. Ça veut dire qu'il va partir du principe où la personne, c'est ça va de lui, en fait. C'est sa volonté. Il ne dit pas si je vous oblige. Il ne dit pas venez. Non, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, en gros, le Seigneur dit en gros que lui, il a simplement allumer dans le cœur la volonté en fait de le suivre et maintenant quand la personne veut eh ben elle va renoncer à lui c'est tout. Il faut vraiment comprendre en fait tout simplement le renoncement en fait c'est que la personne doit réaliser en fait l'importance de pourquoi elle doit renoncer à elle-même en fait parce qu'au final c'est enfin sans le renoncement à soi-même tu ne peux pas comment dire ça vivre pleinement les promesses de Dieu on va dire ça comme ça faut que la personne puisse comprendre que bah il y a une vie au-delà de ce qu'elle vit aujourd'hui en fait. Il y a une vie où Dieu vraiment veut que tu sois en fait dans une bonne santé, qui veut que tu puisses éradiquer toutes les malédictions de ta famille, que voilà que en fait tu puisses vivre dans une abondance même parce qu'on dit tout à l'heure que Jésus vient pour qu'on soit dans l'abondance etc. Mais en fait il faut que la personne puisse réaliser que en fait être chrétien c'est être disciple de Jésus. Et être disciple de Jésus, tu peux pas être disciple. La Bible dit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Matthieu 16, 24. En fait, si quelqu'un veut venir après moi, il faut que la personne ait envie de venir après Jésus. Il faut que la personne ait le désir d'être disciple. Donc, c'est vraiment ça. Mais aussi, en tant que chrétien, le but, c'est aussi de ressembler à Christ. Et moi, je sais que ce qui me motive chaque jour à pouvoir renoncer à moi, c'est de lui ressembler, d'être comme lui. Donc, si la personne aussi comprend ça, en fait, que renoncer à soi, c'est ressembler à Jésus, je pense que c'est ça aussi qui va créer en la personne le désir, en fait. En parlant de créer le désir, je sais, j'ai la même motivation dans mon renoncement à soi, mais une deuxième motivation, c'est de savoir les fruits du renoncement à soi. D'ailleurs, c'était une question que j'allais poser. Super. C'est génial. Question que Lavaldine nous pose, c'est quels sont les bénéfices spirituels du renoncement à soi selon la Bible. Moi, j'aimerais donner un exemple. En fait, nous sommes le fruit du renoncement à soi de Jésus. Mmh. Et derrière toi, il y aura aussi le fruit de ton renoncement à soi. Mmh. Bien sûr, il y a plein d'exemples, etc. Wow. Mais en vérité, lorsque tu renonces à toi, tu décides d'être un Christ sur cette terre. Et Christ sur cette terre, c'est une personne qui porte du fruit. C'est quelqu'un qui crée d'autres personnes. Mmh. C'est impossible de pouvoir... on parlait de la graine. Yes. C'est quand tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas mourir. Mais quand tu renonces à toi, tu meurs et tu portes du fruit. Mmh. Et de la même manière, il faut comprendre que quand tu vas renoncer à toi, tu vas amener d'autres personnes à pouvoir aller vers Christ. Parce que le renoncement à soi, c'est aussi la guérison de blessures, c'est une restauration, c'est des témoignages, c'est vraiment plein de choses que Jésus peut faire dans ta vie. Et en renonçant à toi, tu peux devenir un témoignage vivant de la blessure qui vivait, qui était à l'intérieur de toi et aider d'autres personnes derrière toi. Donc, mon exemple, c'est tout simplement... Nous sommes le fruit du renoncement à soi de Jésus et quelqu'un peut être le fruit de ton renoncement à soi. Alléluia. C'est ça, donc ça c'est l'un des bénéfices que tu donnes ici. Moi j'aurais dit un autre bénéfice, c'est d'être heureux, tout simplement. Quelqu'un qui renonce à sa vie, il finit par être heureux. Je vous dis les gars, l'orgueil ou les choses comme ça vont vous rendre malheureux. Parce qu'au final vous serez seul, parce qu'il a dit si quelqu'un tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Donc pourquoi? Parce que personne ne veut passer du temps avec lui, c'est un orgueil. Et le pire c'est quand t'es chrétien en fait.
Donc, ouais. Il va se passer deux choses. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est comment ? T'es un orgueilleux. Mais c'est un orgueilleux. Bah, c'est compliqué c'est de passer du temps avec quelqu'un qui veut nous écraser. Oh, quelqu'un qui veut. Voilà. Raison. Quand vous regardez bien, David a passé du temps avec Saül, qui était son leader. Oh là là. Il voulait le tuer. Et le gars a été obligé de se barrer, en fait. Oh, oui. Pourtant, David, il l'a honoré, il l'a respecté jusqu'à la fin. Même, je lisais ça encore la semaine dernière. Quand à un moment, quelqu'un va tuer Saül, il va lui donner coup de grâce. Ils vont venir le raconter à David. Il va tuer la personne. Parce qu'il respectait encore Saül, il l'appelait encore loin de l'éternel. Le truc, c'est quoi? C'est que quand tu vas être orgueilleux, les gens vont te fuir. Même des fois quand t'es le leader, des fois même tu peux être leader des gens, mais t'es pas quelqu'un qui renonce à toi. Ouais. Oui, même les leaders doivent renoncer par rapport à leurs membres. Leaders doivent renoncer par rapport aux gens qui les suivent, doivent être humbles par rapport à eux. Ouais. Sinon, on n'aura pas envie d'être avec toi. C'est-à-dire, venez, on va manger au restaurant, personne ne va dire je peux. Ils vont tous trouver des excuses et dire non, mais j'ai un truc avec ma famille. Non, ils sont libres. Ils sont libres, ils n'ont rien. Ils ne veulent juste pas passer de temps avec toi. Juste parce que tu nous écrases, en fait. Oh là là là. Tu vois ? Oui. J'aimerais dire un autre exemple, peut-être l'un des bénéfices, c'est d'impacter autour de soi. Parce qu'en soi, le renoncement à soi, c'est pour certes manifester le caractère de Christ, manifester Christ, etc. Mais c'est aussi en fait pour nous emmener à avoir le caractère adéquat pour accomplir notre destinée. Effectivement. Et en fait, on doit renoncer à notre vie pour être apte à ce que le Seigneur puisse pleinement nous utiliser pour impacter des gens. Parce que par exemple, le fait d'avoir un bon caractère, si par exemple on est appelé à être pasteur ou à gérer des brebis, si t'as pas un bon caractère, bon courage. Ten courage. Ça veut dire prends courage en portugais. Chef d'entreprise. Mais si je renonce pas à toi, le Portugal. Tu es parti au Portugal récemment. Pas tout ça. Courage. Ah là là. Mais oui, mais c'était un texte. Garde ton cœur. Donc ouais, j'irais impacter les gens parce que. En fait, plus tu renonces à ta vie, plus tu ressembles à Christ, plus tu portes du fruit, plus en fait, des gens en fait vont te suivre. Parce que moi, je sais que les leaders que je suis, je les suis parce qu'ils manifestent Christ et au travers d'eux, en fait, je vois Jésus et à quel point même est-ce que Jésus m'aime. Donc, il faut en fait qu'on puisse assez renoncer à notre vie pour que Christ vive en nous, pour qu'en fait, il y ait des gens qui aient la volonté de nous suivre et de suivre en fait Dieu au travers de ce qu'on peut leur apporter. Et voilà quoi, ça pourrait avoir un très très grand impact parce que après, il y aurait des persécutions, des attaques, tout ça. Mm-hmm. Mais si tu résistes à ça, tu pourras impacter même les gens par rapport à ça. Yes, I wanna leave. Ok. Et bon, tu as dit quelque chose juste que j'aimerais vraiment appuyer dessus. Ouais. Tu as dit, oui, il y aura des persécutions. Oui, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, renoncer à soi, c'est accepter les persécutions. Oh, oui. Ouais. La Bible dit, si vous allez recevoir des tribulations ici dans le monde. Donc, c'est accepter d'être persécuté. Des fois, il y a des gens, ils ne seront pas d'accord avec ce que tu dis, ce que tu prêches. Par exemple, là, aujourd'hui, je ne sais pas, on fait une émission fresh. Naomi dit quelque chose qui dérange quelqu'un. Cette personne-là, tout simplement, va prendre, je ne sais pas, son extrait. Voilà, et aller faire des trucs et tout. Ouais. Voilà, on sait pas. Mais voilà, ou même moi-même, ou quoi que ce soit. Même ce que tu as dit tout à l'heure, il y en a en fait qui quittent la vie chrétienne, les églises, parce qu'on parle du renoncement à soi. Ouais. Et en fait, ils vont juste penser qu'on leur dit de renoncer à leur vie, de laisser toute leur vie, de les bloquer. Or que pas du tout, le renoncement à soi, c'est biblique et c'est quelque chose que le Seigneur nous demande d'abord. C'est ça. Voilà, il y a plein de choses que Jésus a demandé. Il a, comme tu as pris l'homme riche, c'est toi, non? L'homme riche. Il lui a dit, va, vends tous tes trucs aux pauvres. J'ai jamais vu Pierre dire, hé, Seigneur, tu n'es pas biblique, là. Tu ne suis pas ce que Abraham a dit. Non, j'ai jamais vu faire ça. Pierre, il est resté, il s'est tué. Et la seule personne qui a un jour repris le Seigneur sur ça, c'est Judas. C'est la personne qui a livré Jésus. Des fois... Comme quoi, je ne sais pas. Donc, voilà, donc des fois... Oh, il est trop drôle, lui. Donc, des fois, les gars, il faut juste accepter. Il y a des gens qui vont nous persécuter, des gens qui vont faire des choses, qui vont dire mais des calomnies. L'évangile, depuis la nuit des temps, l'évangile est critiqué. Donc, c'est pas que ça va changer. Hein. C'est ça. Donc, renoncer à sa vie, c'est des fois accepter ça. Et voilà. Et même des fois, ça peut être des persécutions vis-à-vis de la famille. Des fois, la famille ne comprendra pas parce que tu t'es converti, je sais pas, avant tu croyais en autre chose. Voilà. Et ça peut être dans tout. Des gens, par exemple, étaient chrétiens, ils deviennent musulmans. On les persécute. Des gens deviennent musulmans, ils deviennent chrétiens. On les persécute aussi. Voilà, moi, je pense que juste sois libre de faire ce que tu veux et crois maintenant que juste quand tu as pris la décision, tu l'as prise et c'est tout. Amen. Pas de retour en arrière. Est-ce que je peux... Vas-y, tu peux. Donner un dernier... Oh, tu peux donner un dernier... Un dernier bénéfice. Voilà. Comme les Camerounais diraient. J'ai envie de dire...
Ouais. J'ai envie de dire que vraiment le renoncement à soi donne aussi la paix en toutes circonstances. En fait. Okay. Et je vais lire un verset rapidement, le psaume 94, du verset 12 au verset 13, qui dit « Seigneur, il est heureux celui que tu corriges et que tu formes par ta loi. Il peut rester en paix au moment du malheur et attendre qu'on creuse une tombe pour les gens mauvais. Ouais. » En fait, lorsqu'on renonce à soi-même, tout à l'heure, Mona, tu parlais du fait de, ouais, quand tu vas aller allumer un réveil dans un cimetière, la personne qui est morte, elle va pas se réveiller. Elle va pas se réveiller. Voilà, elle va pas se réveiller, tu vois. Donc, de la même façon que tu es morte à ton ancienne nature, tu es morte à ton caractère, tu es morte aux choses, qui te rendent lourd, on va dire ça comme ça, et qui te rendent encore vivant à toi-même. Lorsque, par exemple, tu auras une épreuve dans ta vie et que tu sais que, ça ne va pas, tout simplement, tu verras en fait la main du Seigneur derrière ça et tu vas avoir une paix qui surpasse tout en fait. Et comme tu parles de mourir à soi-même, c'est vrai que c'est une autre étape dans le renoncement à soi. Ouais. C'est l'étape suivante, mais bon, c'est une autre émission. C'est un peu plus deep. Ça fait mal de mourir à soi-même. Renoncer à soi, quand tu renonces, tu peux récupérer. Regarde, quand tu renonces. Ça c'est. Oh là là. Tu peux récupérer. Mais quand tu meurs, tu l'as perdu. C'est pour ça que Dieu veut pas simplement qu'on renonce, mais veut qu'on porte notre croix, sorte qu'on puisse aller être crucifié et qu'on puisse véritablement laisser toutes ces choses-là. Et pour moi, en fait, le fait de mourir à soi, c'est le... comme tu disais, Stécie nous posait la question, c'est quoi le baromètre, en fait? Pour moi, le baromètre, c'est la mort à soi-même. En fait, c'est le fait que j'ai tellement renoncé qu'au final, renoncer, pour moi, c'est plus renoncer. En fait, j'ai oublié. C'est mon style de vie. Donc, mourir à soi-même, c'est avoir adopté un nouveau style de vie. Et donc, ça... Ce sera pour une autre émission, en tout cas. J'espère que cette émission vous a béni. On était avec les chroniqueurs Stéphanie, Lydia, Naomi et Mona. Une émission véritablement extraordinaire, exceptionnelle. C'était sur Évangile TV, exclusivement sur cette chaîne de télé chrétienne qui vous bénit, n'est-ce pas, tous les jours avec ces émissions. Quelle chaîne. Voilà, et donc vraiment, on vous dit alors à la prochaine. C'était l'animateur, chroniqueur, double casquette. Will B.I.G. comme vous connaissez William, et on vous dit à la prochaine. Stay fresh, bye bye. Stay fresh. Oh.